bonsoir. Merci chers amis d'être là ce soir pour cette émission exceptionnelle en direct de la Sorbonne pour les 50 ans de Libé quand même. C'est extraordinaire, vous êtes merveilleux, merci à vous d'être venus si nombreux et si nombreux. Bonsoir à vous sur Twitch qui nous regardez, bonsoir le chat, ça fait trop plaisir de te retrouver. Bonsoir à vous si vous nous écoutez en podcast, bonsoir à celles et à ceux qui nous regardent aussi en replay sur YouTube. Ce soir, une émission exceptionnelle, chers amis, de Backseat, un live à la Sorbonne, là où tout a commencé il y a 50 ans, mai 68, tout ça, avec Libération, créée en 73. Libération qui a fait un événement toute la journée aujourd'hui et ce soir, une émission Backseat spéciale avec Libé. Vous allez voir un programme exceptionnel et un programme qui va commencer en beauté, chers amis. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir avec nous dans cette émission Backseat pour la première fois Bilal Hassani. Bilal Hassani qui a accepté notre invitation et qui a accepté de venir nous jouer son morceau New Dimension qui va sortir le 2 juin prochain pour la réédition de son album de son album Théorème. Bilal Hassani, c'est à toi. Let me see your face. I get tingles all over and know you discover that tomorrow just won't be the same. Get a little closer. I need help to unwind all the layers to fight it tonight. You're feeling kinda dizzy, don't know what to do. Feeling so ecstatic, I know you get it too. Tonight's not just a party, it's a revolution. I don't wanna know how the story ends, but I won't go down without a fight. Let's fight tonight. Can give them the right to forbid us from uniting in a new dimension. New fire, creating the spark that'll light it up so we can feel it burning inside. Whoa. I can see that you're hurting. I want to be with you again. All out, together we shout. Not alone anymore, we're in a new dimension. I start to feel the fire. Oh. You start to feel the fire. Extraordinaire, Bilal Hassani. Viens donc, je t'en supplie. Bilal Hassani qui va me rejoindre sur le plateau pour débuter cette émission. C'était New Dimension. Hop. Vas-y, t'inquiète pas. Bonsoir Bilal, merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour ce merveilleux morceau New Dimension que tu viens d'interpréter ici à la Sorbonne. Merci beaucoup. Comment tu vas Bilal? Ça va, très bien. Ça fait, je suis très plaisir. Content d'être ici. Bah ouais, écoute, ça fait super plaisir de t'accueillir. On est aux 50 ans de Libé. Et Libération, je crois que c'est un journal qui a une place un peu particulière dans ton cœur. Oui, c'est un journal que je connais depuis toujours. En fait, il y avait une activité que ma maman adorait faire avec moi et mon grand frère, qui s'appelait la table des savoirs. Et les dimanches, ensemble, on animait un peu des débats. Et elle essayait, on va dire, de nous ouvrir à avoir un esprit critique et à avoir une opinion. Donc elle aimait bien lancer ces conversations. Et il y avait presque systématiquement plusieurs, même Libé, qui étaient sur la table, en fait. Donc je les ai
eu autour de moi depuis tout petit. Il y avait pas mal de numéros qui se baladaient partout dans la maison. Et je crois que Libé avait fait un très beau portrait de toi, la fameuse dernière de couverture de Libé. Oui, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai accompli plein de choses dans ma vie, mais c'est le seul truc où j'ai vraiment senti la fierté de mes parents. Ah bah bravo Libé, bravo. Bilal, tu représentes une nouvelle génération. C'est justement le tempo qu'on a voulu donner à cette émission ce soir à Backseat en partenariat avec Libé. On va parler de nouvelle génération, on va en parler avec toi, tu restes avec nous, mais on va aussi en parler avec une personne, une représentante aussi de cette nouvelle génération et qui en parle dans son dernier livre. Je vous demande d'accueillir Salomé Sacké. Salut Salomé. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va super. On est très content de t'accueillir aussi sur le plateau de Backseat. Salomé, tu es journaliste. Tu bosses notamment pour Blast, pour France Info aussi. Et tu as sorti ton premier bouquin cette année qui s'appelle « Sois jeune et tais-toi ». Réponse à ceux qui critiquent la jeunesse. C'est aux éditions Fayot. Et donc, t'as voulu... Fayot. J'ai dit quoi? Fayot. Ah, bien, pardon. Je reprends. Ça commence bien, j'adore. Aux éditions Payot, excuse-moi. C'est un livre dans lequel t'as voulu quoi? Explorer cette nouvelle génération, le conflit des générations. T'as voulu faire quoi avec ce livre? Au début, je voulais avant tout essayer de répondre aux critiques qui étaient adressées aux jeunes et qui sont parfois très virulentes, qu'on entend pas plus tard qu'hier. Approche-toi de ton micro, ma Salomé, s'il te plaît. Pas plus tard qu'hier, on entendait ça sur BFM TV, des jeunes qui seraient paresseux, incultes, narcissiques. Moi, c'est quelque chose que j'ai entendu dans mon entourage, que j'ai entendu dans même la sphère professionnelle. J'en avais un peu marre de ces clichés, j'avais envie d'y répondre avec des statistiques, avec des chiffres, avec des faits, avec un travail académique. Et en fait, au fur et à mesure de l'écriture, ce qui s'est passé, c'est que j'ai plutôt fini par dresser un portrait de la jeunesse, et pas la jeunesse, mais les jeunesses, parce qu'il y a plusieurs jeunesses, et essayer de comprendre ce qui animait cette génération, la mienne, et celle qui arrive aussi. Hein. Moi, c'est les 18-29 ans, j'ai 28 ans, donc je suis pile dedans. Quand j'ai commencé à l'écrire vers 25 ans, 25-26 ans, donc j'étais en plein dedans, et c'était une manière d'essayer d'expliquer aux plus âgés ce que vivent les jeunes, dans quel contexte ils évoluent, ce qui les préoccupe, ce qui les inquiète, ce qui les anime, quels sont leurs engagements, dans quoi ils se reconnaissent, et d'essayer aussi de faire comprendre aux jeunes quelle est leur époque, de quoi est faite leur génération, parce qu'il y a aussi des jeunes qui eux-mêmes avaient intégré et ont intégré ces clichés qui sont parfois très délétères sur la jeunesse. Parfois, les jeunes eux-mêmes intériorisent un échec, par exemple, en se disant « c'est de ma faute, je suis trop nul », en oubliant les paramètres socio-économiques. Donc, l'objectif, c'était vraiment de dresser un panorama de cette génération. Et justement, dans ce panorama, parce que cette génération, Bilal et toi, vous avez presque le même âge, vous appartenez à cette génération, vous seriez capable de mettre des mots sur cette génération? Est-ce qu'il faut mettre un qualificatif derrière le mot « génération » On parle de la génération désabusée, génération engagée, etc. Salomé, tu mettrais quoi, toi? Bah, c'est vraiment compliqué en fait, de mettre un mot, encore une fois, je ne veux pas casser l'ambiance, mais il n'y a pas une jeunesse, il y a vraiment des jeunesses plurielles. Je pense que ce qui rejoint aujourd'hui les jeunes entre eux, c'est le contexte. C'est qu'on évolue tous globalement dans un contexte. Si on parle de l'urgence climatique, ça concerne tous les jeunes. Et tous les jeunes vont être globalement plus exposés aux conséquences du dérèglement climatique et de la perte de la biodiversité que les plus âgés. Ça, c'est quelque chose qui réunit, par exemple, les jeunes. La difficulté des paramètres, je disais, socio-économiques, les difficultés du marché de l'emploi. Ça, alors, il y a des jeunes pour qui ça va très bien, mais globalement, il y a beaucoup de jeunes qui rencontrent des difficultés de ce côté-là dans beaucoup de sphères professionnelles différentes. Donc, je dirais qu'il y a quand même quelque chose qui les rejoint. Et ensuite, moi, je dirais que ce qui rassemble beaucoup de jeunes, c'est l'angoisse. Il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment... En fait, j'ai découvert, moi, j'avais parfois un sentiment d'angoisse face à l'époque, avec mon travail, en plus, sur l'économie, l'écologie, où je me disais, le monde va mal, mais peut-être que c'est juste mon travail. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont inquiets, qui ont du mal à avoir confiance en l'avenir. Et ce n'est pas une impression, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les études sociologiques, quelque chose qu'on retrouve dans les différents sondages. Et on constate que les jeunes ont davantage peur de l'avenir que les jeunes d'il y a 40 ou 50 ans. Bilal, c'est quelque chose que tu partages, l'idée d'inquiétude, d'angoisse, toi qui nous donnes tant d'espoir avec ta musique, tu vois. Mais j'essaye, je pense que c'est important avec l'art, en tout cas, d'envoyer des messages d'espoir. Je fais comme je peux, en tout cas, pour apporter ça à mon public, qui est majoritairement jeune, parce que je constate dans les messages que je reçois tous les jours qu'il y a beaucoup d'angoisse. Je la vois, je la vis, moi, personnellement, et je la ressens autour de moi, je la ressens dans mon public. Donc ces moments en musique que j'essaie d'offrir, c'est peut-être des temps d'évasion, mais ça nous libère pas complètement
de la dure réalité. Ouais, c'est sûr. Il y a aussi un truc qui vous rapproche tous les deux, c'est l'engagement. En fait, c'est aussi ça. Tu es engagé sur les questions LGBTQI+. Tu es engagé, toi, Salomé, pour les questions écologiques. Est-ce que c'est pas aussi ça quelque chose qui détermine cette jeunesse, génération engagée par la force des choses? Non? Alors, moi, je vais faire un peu ma... Je ne veux pas mettre trop de précautions, mais quand même, encore une fois, ce n'est pas tous les jeunes qui sont engagés. Mais là, d'accord, en fait, c'est là où on répond à un cliché, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas moins engagés que les jeunes d'hier. Tu as cité mai 68 en introduction. Bah, souvent, ils faisaient des journaux à l'époque. Ils faisaient des journaux. Non, mais c'est quelque chose qu'on va entendre, encore une fois, dans la bouche de certains de nos aînés. Attention, pas tous, pas de généralité, not all boomers, mais quand même, certains... nous disent « oui, mais moi, de mon temps, on s'engageait pour des vraies causes, c'était quelque chose. » Et ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est que les jeunes ne sont pas moins engagés qu'avant et qu'il y a des nouvelles façons de s'engager, des nouvelles causes aussi sur lesquelles on s'engage, qui sont aussi liées à l'époque. Sur l'écologie, ça en est une. Évidemment, la cause... je dis c'est une cause, mais en fait, c'est l'acceptation de tous les individus. C'est quand même pour qu'ils soient traités de manière égale. Ça ne devrait même pas être une cause. L'écologie... C'est l'écologie non plus. Quand on en parle, l'écologie, c'est la survie de l'humanité. C'est ni plus ni moins ce que c'est la préservation de l'habitabilité de la planète. Et c'est fou que moi, on me qualifie de journaliste engagé. Moi, je ne me considère pas comme étant particulièrement engagé. Je ne sais moi pas comment plus. Toi, tu te... Artiste engagé, non, je ne pense pas non plus. Je pense que je suis vraiment juste l'artiste que je suis. Je parle de plein de choses en chanson et je sais que mon existence laisse un petit peu entendre qu'elle est engagée, en fait, par elle-même, mais enfin, moi... Elle est ce qu'elle est. Voilà, c'est juste... Elle est ce qu'elle est. Et pourtant, on accole l'idée d'icône aussi, de porte-drapeau que tu ne veux pas être, d'ailleurs, de la communauté LGBTQ+. C'est pas que je veux pas être porte-drapeau. Tu l'as dit dans plusieurs interviews. Oui, non, c'est juste que je me sépare un petit peu de l'idée d'être peut-être responsable d'une... Surtout quand j'avais 18, 19 ans et que je commençais à peine à faire des interviews, c'était quelque chose d'un peu angoissant quand on me disait tu vas être le visage d'un mouvement et tu vas rassembler plusieurs causes et c'est tout, tu en es le visage. Ça, c'est un petit peu c'est un petit peu stressant. Se réveiller le matin, j'ai pas trop envie de penser à ça en premier lieu, mais je connais la place que j'ai et je sais à quel point la représentation est importante et à quel point m'avoir dans des médias, à la télévision, à la radio, ça peut être vraiment hyper bénéfique pour un jeune qui est en train de se chercher et qui comprend enfin ou qui voit enfin quelque chose qu'il aime un petit peu plus que le reste. Et en même temps, ça peut faire de toi aussi la cible d'attaque, et on l'a vu encore récemment. C'est vrai que c'est quelque chose de particulier que tu peux ressentir. C'est pas forcément une cause que tu as choisie, c'est tu n'as choisi de faire rien d'autre que ce que tu aimes faire, en fait, faire de la musique. Oui. Et pourtant, on te renvoie une image, et pourtant, la politique est venue à toi par la pire des manières possibles, aussi par la haine, la colère, le rejet. C'est quelque chose, ça doit donner une image horrible, d'ailleurs, de la politique, sans doute. Je peux le comprendre. Non, elle n'est pas horrible, mon image de la politique. Non. Je ne pense pas qu'on peut avoir une image positive de la politique non plus, mais je... Non, t'as pas tort, non, je te l'accorde. Pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je n'étais pas complètement enfermé dans une bulle rose avant d'être exposé. Je savais, oui, pré-exposition, que j'allais être confronté à autant de critiques. J'avais même imaginé que ça allait être pire en réalité. Donc je me suis bien armée avant d'aller parler, on va dire, aux médias, et parce que j'allais être le représentant de la France à l'Eurovision en 2019. C'est quelque chose qui est assez fort en termes de message. Tu deviens le visage de ton pays en étant, ouais, Bilal Hassani avec ta perruque et tout et tout. Je savais ce que ça allait engendrer, mais ça ne m'a pas empêché de le faire parce, ouais, que je savais à quel point c'était important. Et pour moi et pour beaucoup de personnes. Tu as commencé sur YouTube, Bilal. Ouais. Tu as commencé sur YouTube. Toi, Salomé, tu parles d'Internet dans ton livre « Sois jeune et tais-toi » et tu en parles comme d'un refuge pour, oui, beaucoup de jeunes. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit de ça? Mais je pense que c'est une des grandes sources d'incompréhension entre les générations. C'est que souvent, on va avoir des parents, des grands-parents qui ne comprennent pas. D'ailleurs, des grands-parents ou des parents même qui utilisent eux-mêmes Internet, mais qui n'ont pas les mêmes pratiques. Et effectivement, Internet a permis de développer des émissions comme celle-ci, justement, qui ont un public qui est principalement jeune, qui a développé ses propres codes, ses propres références, et qui souvent va se heurter au mépris d'une partie des générations précédentes, tout simplement parce qu'elles ne saisissent pas ces codes, elles ne saisissent pas ces centres d'intérêt. J'ai essayé de montrer qu'Internet, c'était un piège aussi,
sur certains aspects. Ça pouvait être un trou noir pour certains jeunes, ça pouvait vraiment être la source de souffrance. On peut penser d'ailleurs au harcèlement en ligne, on peut penser à énormément de choses. Et en même temps, c'est aussi un refuge, c'est aussi une plateforme, c'est aussi un endroit où on peut rêver, notamment sur différents réseaux sociaux, où on peut se projeter, voire où on peut développer des carrières, en fait, aujourd'hui, même pour certains jeunes. J'aimerais juste rebondir sur ce qui a été dit sur l'engagement des jeunes. Ouais. Moi, j'aimerais souligner, et je le souligne dans le livre, la violence du traitement médiatique qui est réservé aux jeunes qui osent s'engager. La violence. Moi, je trouve qu'il est très violent, ce traitement médiatique. Par exemple. Alors, je pense notamment aux militants écolos, qui, pour certains, sont quand même jeunes, essaient de créer de nouvelles façons de faire de l'activisme, essaient d'exprimer leur désespoir, avant tout. Je pense aux militants qui se sont notamment allongés sur des routes. Je rappelle qu'il y a une co-autrice du GIEC, Julia Steinberger, qui a, elle aussi, décidé de s'allonger sur une route. Donc, c'est quand même l'expression d'un certain désespoir qui est partagé par les scientifiques. Et il y a eu, derrière, un traitement médiatique, notamment de la part des chaînes d'information en continu, où on a tendance à oublier qu'on parle de personnes de 20 ans, qui parfois sont juste effrayées, qui se retrouvent à incarner un engagement médiatique, mais qui ne l'ont pas vraiment pensé avant, qui ne l'ont pas vraiment choisi, qui essaient juste d'exprimer leur peur, qui essaient juste d'exprimer leurs souhaits, leurs désirs. Et parfois, je trouve que les journalistes, les politiques sont particulièrement virulents avec, encore une fois, des personnes qui ont 17, 18, 20 ans et que ça ne donne pas envie, en fait, aux autres jeunes d'y aller. Ouais. Quand on voit un jeune qui, courageusement, va s'exposer, essayer d'exprimer des revendications et que derrière, il se prend les foudres des médias, il se prend des articles que je cite dans le livre. On a des articles entiers qui sont parus, Génération narcissique, il y a même eu un excellent numéro de la revue Valeurs Actuelles. Je sais qu'on embrasse. Si connaît, voilà, qui s'appelle « Quels jeunes allons-nous laisser à notre planète ?» Vraiment, il cloue au pilori des jeunes. Frédéric BD va nous laisser, c'est terrible. Non, mais je pense qu'il faut... Parfois, il y a une virulence que je trouve complètement disproportionnée au vu des engagements et au vu surtout de la légitimité, souvent, de ces engagements-là. Toi, quand tu t'es lancé sur YouTube, c'était naturel pour toi, pour notre génération, c'est quelque chose d'assez naturel. C'était pour toucher le plus de monde, c'était aussi parce que tu comprenais les codes d'Internet, que tu as envie que les gens te parlent aussi. C'était pourquoi ? Totalement. Moi, je suis pas né dans un environnement hyper musical et j'avais pas l'accès peut-être que d'autres ont. J'avais pas de contact, de choses comme ça. Donc j'avais essayé d'utiliser le chemin traditionnel pour devenir un artiste. J'ai même participé à une émission de télécrochet et tout. Mais après ça, je me suis rendu compte que ça allait pas se faire pour moi. Et donc j'ai lancé ma chaîne, mais pas sans vraiment passer plein de nuits blanches à me dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Mais quand j'y suis allée, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'avais du coup une vision directe de l'évolution de ma carrière. Et j'ai pu, on va dire, fabriquer toute la mythologie autour de l'artiste l'univers, que je voulais être, du début jusqu'à la fin. Et ça m'a permis de me former sur plein de choses que j'aurais peut-être, enfin que je n'aurais pas eu à une autre époque. Je m'enregistrais tout seul, j'enregistrais mes chansons, j'ai appris à mixer grâce à Internet parce que je voyais des vidéos, j'ai appris à produire des chansons aussi, j'ai dû faire du montage, je faisais du graphisme parce que j'avais mes miniatures, des choses comme ça. Et donc j'ai appris à faire tout plein de choses. Et quand je suis arrivée à l'Eurovision et à toutes ces choses-là, j'étais beaucoup plus armée et je me disais, et c'est pour ça que très rapidement j'ai ouvert mon label. Pour continuer de faire tout un peu tout seul, quoi. Parce que dans le confort de ma chambre, je pouvais déjà faire beaucoup de choses. Bah, tu vois, quand Libé a été créé en 73, c'était Serge Julli, l'un des cofondateurs, décrivait justement la culture. Il parlait de cette volonté de faire un journal pour parler. Il parlait d'ailleurs des concerts, en disant il y a des concerts qui réunissent des dizaines de milliers de jeunes à Paris, dont aucun journal français ne parle. Parce que les journaux sont totalement incapables de comprendre cette nouvelle génération, la contre-culture. Toi d'ailleurs, Salomé, tu parles de contre-culture à propos d'Internet. Oui. Est-ce qu'Internet, c'est la contre-culture de la jeunesse aujourd'hui ? Je pense qu'on pourrait dire ça. Enfin, en tout cas, c'est l'analyse que j'ai peut-être à la fin de l'écriture de ce livre. Et c'est vrai qu'il y a vraiment plein de modèles différents qui se développent, y compris en termes d'emploi. Et moi, j'ai un peu la même histoire que toi, bon, à une autre échelle, mais où en fait, je suis arrivée dans le journalisme et on ne m'a pas forcément acceptée. J'ai essayé de passer par les voies traditionnelles. C'était très, très laborieux, surtout pour pouvoir m'exprimer avec la manière dont je l'entendais, avec ce fameux engagement qu'on m'attribue. Et c'était compliqué. D'ailleurs, j'ai postulé chez Libération. Vous ne m'avez pas prise. Vous m'avez mal été motivation. Je oh, me permets honte. De le dire maintenant. Ça fait longtemps. C'était pour un stage. C'était difficile. Et Internet, c'était vraiment cet espace où je pouvais faire ce que je voulais.
Ou globalement, même après, mes employeurs ne regardaient pas trop ce qui se passait, à part si vraiment il y avait des vidéos qui fonctionnaient. Et on pouvait apprendre à tout faire soi-même aussi. À faire, bah, là, pour le coup, c'était vraiment filmer, écrire, monter, tout faire de cette façon-là. Et ça m'a permis, à titre personnel en tant que journaliste, de développer peut-être une voix un peu différente, une manière de faire un peu différente. Et ça, on le constate dans beaucoup d'autres professions. Il y a plein de jeunes qui essaient un petit peu de contourner les lignes et qui se disent, bon, puisqu'on ne m'accepte pas là, avec la manière traditionnelle, ça permet un ascenseur social. Attention, un ascenseur qui a des limites. Parce que aujourd'hui, ça fait rêver. Il y a plein de jeunes qui veulent devenir, et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu, moi, dans mes interviews, ils veulent devenir streamer, ils veulent devenir youtubeur, ils veulent devenir tiktoker, parce qu'on a l'impression qu'en travaillant beaucoup, tu l'as dit, tu as beaucoup travaillé aussi pour ça, on a l'impression qu'on travaille beaucoup, c'est sûr qu'on va y arriver. Or, ça ne suffit pas. Il y a aussi un facteur de chance, il y a un facteur d'algorithme, il y a un facteur aussi d'origine sociale, parce qu'il faut avoir le temps de travailler sur Internet, de faire des vidéos. Ouais. Et souvent, il y a des jeunes qui ont tendance à l'oublier et qui vont se mettre corps et âme là-dedans parce qu'ils ont l'impression que c'est plus rentable d'investir dans Internet que de s'investir dans le système scolaire, ce qui dit beaucoup quand même de la faillite aussi de notre système scolaire, et qui vont être déçus et encore une fois qui vont avoir l'impression que c'est de leur faute s'ils n'y arrivent pas, alors que c'est pas que, même si c'est aussi, hein, mais c'est pas que du talent, c'est pas que du travail. C'est pour ça vraiment que pour moi, Internet, c'est ce piège et ce refuge, parce que ça permet de faire des choses incroyables à certains jeunes, et en même temps, ça crée aussi de la frustration et de la souffrance. T'as parlé tout à l'heure, Salomé, des vieux qui méprisent la jeunesse, qui ont un regard sur eux particulièrement paternaliste, méprisant. Tu as parlé aussi des jeunes qui ne comprennent pas les vieux, qui les trouvent complètement à côté de la plaque sur les questions de changement climatique, sur les questions de discrimination, l'impression d'avoir des aliens qui habitent sur notre propre planète, qui percutent rien à ce qui est en train de se passer. Je vais te poser la question cash, est-ce qu'il y a un conflit de génération ? Est-ce que c'est la lutte des âges ? Encore une fois, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je pense qu'il y a heureusement des personnes plus âgées qui aident les plus jeunes et des plus jeunes qui ne sont pas du tout spécialement engagés ou qui ne sont pas spécialement contre les plus âgés. Mais clairement, il y a une rupture générationnelle qu'on a d'ailleurs sentie, il me semble, dans cet amphithéâtre, plutôt dans cette journée, quand la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes est venue, a été interpellée par une étudiante sur la question de la réforme des retraites. Et la réponse qui lui a été opposée, j'ai regardé ça juste avant de venir, a été « Écoutez, moi j'ai travaillé 35 ans avant vous et donc vous n'avez pas de leçons à me donner ». Et ça, c'est une attitude que je retrouve quand même, je veux dire, jusque dans la bouche de responsables d'État. On retrouve dans la bouche de beaucoup de personnes qui sont plus âgées, qu'on retrouve dans certains dîners de famille, en tout cas que beaucoup de jeunes ressentent. Et en fait, on n'en peut plus d'entendre ces plus âgés qui, parce qu'ils ont plus d'expérience, pensent que notre parole à nouveau moins, pensent que nous ne valons pas le coup d'être écoutés. Et c'est ce que j'ai essayé de dire avec ce livre, c'est que s'il y a un conflit de génération, nous devons absolument le dépasser. Nous devons absolument écouter les jeunes pour pouvoir aider les jeunes pour à la fin préserver leur avenir, parce que c'est de ça dont il est question aujourd'hui. C'est-à-dire que là, les décisions politiques qui sont en train d'être prises en matière d'économie, d'écologie, de la manière dont on façonne notre modèle de société, ces décisions vont avoir des conséquences dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Et on ne peut pas attendre que nous, les jeunes, qui sommes en minorité démographique aujourd'hui, il faut le rappeler, on ne peut pas attendre d'arriver au pouvoir et de changer les choses parce qu'il sera trop tard. Et là, on a quand même une rupture générationnelle qui est inédite. C'est qu'on peut pas, c'est pas comme, parce que la rupture générationnelle a toujours existé, il y a toujours eu des conflits, mais là, on a besoin de le dépasser, absolument. Okay. Et en tout cas, c'est vraiment la vision des choses que j'ai. Quand j'entends Salomé nous expliquer ce qu'il faudrait que les vieux fassent avec les jeunes, écouter, respecter, accompagner, aider, j'ai l'impression d'entendre ce que ta mère a fait pour toi, Bilal. C'est ton agent, ta mère. Elle t'a accompagné, elle t'accompagne encore aujourd'hui. C'est tout sauf un conflit de génération, ça. Non, entre ma maman et moi, il n'y en a pas, mais j'ai beaucoup de chance. J'ai une maman qui est vraiment, vraiment incroyable, c'est une femme brillante, déjà qui dès l'enfance, je le disais, je parlais tout à l'heure de la table des savoirs, mais j'ai eu la chance d'avoir une maman qui nous qui activait, on va dire, des parties de notre cerveau assez tôt et qui nous a peut-être de manière un peu prémonitoire préparé au contexte dans lequel on est aujourd'hui. Donc oui, je suis extrêmement reconnaissant pour ma maman et aujourd'hui c'est ma collègue du coup, donc c'est très marrant, c'est ma manager et elle est coproductrice dans mon label, donc ça fait toujours « Oh, trop mignon, la maman, elle est avec toi !» Mais du coup ça nous aide parce qu'on peut être un petit peu sanglant dans les affaires quand on vient en binôme maman-fils et du coup on s'en sort plutôt bien à chaque fois, mais c'est très cool de travailler avec
avec quelqu'un de la famille. Je le conseille pas à tout le monde, par contre. Non. Voilà. Je pense qu'en tant que génération, on aimerait bien que ta maman soit toute la génération voilà. Vieux qu'on a au-dessus de nous. Ce serait peut-être parfait. Ouais. Est-ce que tu as l'impression d'avoir sensibilisé ta maman à certains enjeux ou à certaines choses qui étaient propres à ta génération? Totalement. Mais parce que j'avais en face de moi une maman qui m'a, dès tout petit, dès 5-6 ans, on va dire, ouvert la porte pour qu'elle puisse accueillir ce genre de choses-là. Elle a ouvert sa porte. Elle s'est dit genre, vas-y. Dis-moi, apprends-moi. Donc, je n'avais pas peur de venir lui parler de causes qui me tenaient à cœur ou de choses que j'avais lues, moi, perso, parce que je savais qu'elle allait... C'était vraiment agréable de ressentir que 2 jours, 3 jours après, elle allait m'en reparler et me dire qu'elle avait fait des recherches additionnelles, des choses comme ça. Et juste ça, j'étais en train de me dire, oh, elle m'écoute vraiment. Et donc, après, je la vois en parler avec ses copines aussi. Et je vois l'impact que ça a sur même les enfants d'amis à ma mère. Donc ça, c'est vraiment le plus cool, l'un des trucs les plus cool que je constate. Il y a quelqu'un qui demande. Plus âgé, s'il vous plaît, soyez comme la maman. Ah ouais, ouais, on a besoin plaît, de ouais. Ça. Prenez, c'est une icône. Justement, à propos d'icône, tu en es une toi aussi, Bilal, pour toute une génération. Mais si, justement, tu as toi-même d'ailleurs dit que tu avais été inspiré par des icônes. Oui. De la musique, on parle de Michael Jackson, Janet Jackson, t'en as beaucoup parlé. T'as conscience d'inspirer des jeunes aujourd'hui? Peut-être pas à la bonne échelle, je m'en rends pas spécialement compte tout le temps, mais ce que j'aime me rappeler souvent, c'est que je sais que j'aurais aimé avoir une figure qui me ressemble dans ma télé quand j'étais petit. J'aurais eu un petit peu moins peur de m'exposer peut-être, mais je l'ai quand même fait et aujourd'hui du coup je vois... Je commence à avoir plein de jeunes qui s'expriment beaucoup plus librement. Et oui, ça, c'est quelque chose qui me Il y a le Cogit, beaucoup. Le Cogit sur le chat te demande, est-ce que tu t'auto-censures parfois dans tes œuvres? Ou est-ce que tu parles de tout ce que tu veux? Auto-censure peut-être un tout petit peu. Peut-être que j'ai proposé quelque chose d'assez plus lisse sur mon tout premier opus. Mais parce que j'avais 19 ans et j'avais... fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de télé et je m'étais dit genre, oh là là, peut-être que si en plus maintenant tu rentres dans certains sujets dans ton album, ça va... Et après, je me suis rendu compte que je pouvais parler vraiment de tout, mais je pouvais parler de cette paille-là en fer. Et on allait dans tous les cas me poser des questions horribles. Donc je me suis dit, bon, fais ce que tu veux, écris les chansons que tu veux. Donc maintenant, je me censure plus du tout. Et je dis je dis ce que je veux dire et je raconte ce que je veux raconter. D'ailleurs, il y a une chanson dans l'album Théorème qui s'appelle De la hauteur, qui parle de ce conflit de génération, pas vraiment d'un conflit, mais peut-être du constat qu'il y a une vraie séparation des mentalités et qu'on n'arrive peut-être pas assez à s'entendre et que on irait plus vite si on pouvait. On écoutera ça avec beaucoup de plaisir, ouais. Puisqu'il sort vendredi prochain, oui, l'album. De la hauteur est déjà sorti, mais il y a 5 nouveaux titres vendredi. Oui, c'est ça. Il y a 5 nouveaux titres vendredi qu'on écoutera avec grand plaisir. Salomé, où est-ce qu'on va avoir le plaisir de te retrouver, toi? Tu continues à faire la tournée des librairies pour dédicacer ton livre? Oui, je suis à Nantes demain. Et je vais continuer, mais je ne connais pas mes dates par cœur. Elles sont sur mon compte Instagram, donc on peut me retrouver là-bas. Et puis sur le plateau de Blast, bien sûr, où je continue à faire mes émissions. Bon, dernière question, comme vous deux, c'est quand même les 50 ans de Libé. Est-ce qu'il y a des unes de Libé qui vous ont marqué? Ah, c'est une question piège, hein, j'aurais dû vous le demander. J'en ai une, moi. Vas-y, Bilal. Ah. Moi, je me rappelle que celle... je trouve qu'en général, les unes qui sont... faites pour les décès, en fait, des grandes personnalités, je les trouve toujours assez réussies. Ah, pour les décès, oui. Tu penses à qui? Je pense à celle de David Bowie, parce qu'il me semble que le titre, c'était « Les vies et la mort » de David Bowie. Je trouvais ça marrant de parler des vies au pluriel pour David Bowie, qui a présenté plein d'identités différentes, ouais, à chaque album. Et voilà, c'est un artiste qui m'inspire beaucoup. J'avais trouvé cette une très très belle une, je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais. Salomé? Et moi, j'en ai peu qui me viennent en tête, et donc je comprends pourquoi j'ai pas été embauchée, en fait. Elle est pas que c'est tout sexy. Je sais pas, c'était pas bonne. Non, si. Bah, là, récemment, moi, j'ai trouvé intéressant qu'il fasse justement une avec le visage de Camille Etienne, qui est une jeune, qui est une militante, qui est engagée, à qui ils ont laissé la part belle, et je trouvais ça très intéressant. Bon, on peut remontrer du coup la une de ton livre, « Sois jeune et tais-toi » aux éditions Payot, qu'on retrouve dans toutes les bonnes... En plus, il paraît qu'il est en rupture de stock en ce moment.
Oui, bah je le wow. Oui, je suis un peu triste. Voilà. Donc vous pouvez pas l'acheter, mais il est sympa, hein, vous devriez lire, c'est vachement bien. Non, vraiment, non, là ça y est, c'est bon, il est plus en rupture de stock. Il est plus en rupture de stock. C'est tout bon, vous pouvez l'acheter et l'offrir à tous les boomers de votre entourage. tous les... Non, plus sérieusement, c'est vraiment un livre que j'ai pensé comme un outil de dialogue intergénérationnel. J'espère qu'il sera posé au milieu de la table des dîners de Noël. Trop bien, merci beaucoup à vous deux. Vous ne bougez pas, on va enchaîner avec les séquences suivantes de l'émission. C'est parti pour le PowerPoint de Vincent. Salut Vincent! Bonsoir! Vincent, mon cher ami, très heureux de t'accueillir sur ce plateau de Backseat. Vincent, aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? Slide suivante? Ah non, non, non! Non, mais t'as gâché mon intro aux gens. Mais non! Si, si, il fallait que je dise comment on va, que j'étais impressionné d'être là, pipi culotte, parce qu'il y a quand même du monde et tout. Ah pardon, excuse-moi, j'ai foutu en l'air ta chronique. Oui, attends, attends, je reprends, on reprend. Bah voilà, donc bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis très impressionné d'être là, forcément, j'ai étudié à la fac de Cergy, enfin, ça n'a rien à voir, vraiment. Ça. Les toilettes sont plus proches, mais ça n'a rien à voir. Je suis vraiment impressionné parce qu'effectivement, d'habitude, on fait l'émission devant à peu près 40 personnes. Ici, il y en a 500, je crois, ouais, à ouais, peu 500, près. Ouais. Donc merci d'être là encore. Pour moi, c'est forcément un petit peu impressionnant. Et puis surtout, on m'a dit, voilà, le sujet, c'est important. Enfin, voilà, la jeunesse, la culture, c'est des sujets qui me parlent parce que je suis extrêmement jeune, évidemment. Et très cultivé. Et ultra culturé. Et je me suis dit, OK, il faut que je fasse une chronique intelligente, pertinente, à la hauteur des 50 ans de Libé, de la Sorbonne, et peut-être qu'il donnerait envie à Libé de me payer des piges ou un petit contrat, comme ça, au passage. Hein. On ne sait jamais, hein, j'en profite. Et du coup, là, Jean, j'ai eu un flash. Ouais. J'ai trouvé le sujet de chronique parfait. Et c'est quoi? Slide suivante. Kwakubé. Vraiment, non, vraiment, je vais vraiment vous parler de Kwakubé ce soir. Je me dis que c'est le bon endroit, le bon moment. Oui. Alors, Bilal, je pense que toi, t'es totalement au fait du mot, de l'expression, de son usage. Salomé, avant l'émission, toi, tu m'as dit que... La balance. Mais non, c'est toi qui m'as dit, effectivement, c'était pas un terme avec lequel t'étais forcément familière jusque-là, quoi. Ben oui, j'ai récemment fait la recherche Google, qu'est-ce que Kwakubé? Non, je suis censée parler de la jeunesse, c'est chaud, je connais pas ça. Mais maintenant, c'est bon, tout va bien. non, mais justement, je suis là pour ça, en fait. Je suis là pour ça. C'était d'autant plus évident pour moi de parler du Kwakubé, parce que ça fait marrer les jeunes, ça exaspère les vieux, et puis en fait, les 50 ans d'un journal qui est amoureux des mots, hein, comme on dit. Et cette expression, ce mot qui est inventé, s'est fait une vraie place dans la culture des jeunes et sur Internet, et on en parlait notamment avec Salomé juste avant. Et Libé, d'ailleurs, dans un papier, j'ai trouvé ça, l'a écrit. Ils disent à Libé, pour écrire, on peut écrire boomer comme universitaire, comme cours de récré. Et vous savez quoi? Kwakubé. Alors aujourd'hui, je vous propose de répondre à une question essentielle. En quoi Kwakubé symbolise un symbole culturel majeur pour la jeunesse de 2023? Ça fait très conférence de la Sorbonne, c'est parfait. Je m'adapte. Moi, je ne me suis pas foutu de vous. Hein. On m'a dit, Vincent, donne tout, c'est l'émission spéciale, ton avenir se joue ce soir. Alors moi, je suis là pour servir du poulet, comme on dit. Hein, voilà. Alors, petit rappel des faits pour commencer. En début d'année, les médias découvrent un nouveau phénomène dans les cours de récré, hein, comme il y en a souvent. Des fois, c'est des phénomènes un peu plus tristes, malheureusement. Mais là, c'est en l'occurrence, c'est un mot que les élèves se lancent entre eux, à leurs parents, parfois à leurs professeurs. La règle est assez simple. Dès que quelqu'un dit « quoi » ou un mot finissant par cette même syllabe, il faut répondre « Kwakubé ». En situation, ça donne ça. On a une vidéo. Hey, salut l'équipe, c'est la vache. Ah, j'espère que vous allez non, bien. C'est pas la... Donc, comme j'ai dit sur la... C'est pas la bonne vidéo. C'est la traîne du Kwakubé. Quand tu dis quoi, tu dis Kwakubé. Et vous faites ça quand du coup? Tout le temps. Parce que c'est la traîne sur TikTok. Oui, la rue, ça faisait quoi? Voilà, le petit Kwakubé a été coupé, mais c'est ma faute. Ça, c'est ma faute. Vraiment, j'assume totalement. Je me retirerai de la vie backseatique après. Ouais. Alors, en discutant avec mon frère, en plus, au week-end, que je salue et que j'aime, hein, vraiment, il m'a rappelé qu'à notre époque, on disait « foin » ou « ouais » aux gens qui disaient « quoi ». Ça n'avait vraiment aucun sens. C'est vrai. Et moi aussi, c'est vrai. Ouais. Toi aussi? Ouais. Ah, je pensais que c'était vraiment géolocalisé chez nous, mais... Ah bon? Vous n'êtes pas du même endroit, hein. On va pas doxer comme ça, mais on en parlera après. J'ai aussi repensé à ma très lointaine jeunesse et au feu-feu qu'on utilisait en primaire pour que nos professeurs ne nous comprennent pas. Par exemple, Jean, si je te dis « ma fac confond des faits mythicifiés oh en fond ». Mon Dieu. Comment? De bord. Commandant de bord.
Bref. Parce qu'il y a des variantes, comme appagnant, quand on nous dit un, ou commandant de bord, donc quand on dit comment. Mais c'est Kwakubé qui s'est vraiment imposé sur tous les réseaux, au point de devenir, pour beaucoup de jeunes, un gimmick, un tic de langage, une virgule dans une phrase qu'on place dès que possible. Quitte à murmurer des phrases qui n'ont aucun sens pour pousser l'autre à la faute, par exemple, des phrases comme « les pimps, c'est dégueu » ou le fameux « t'as les crampés ». Enfoiré. J'ai pas de réponse à ça. Non, non. Alors certains ont fait même du Kwakubé un préfixe hein, un peu ironique pour parler de Kwakupod, de Kwakusum, de Kwakouvent ou même de Kwakouchiant. Vraiment, je vous jure, j'ai essayé des dizaines de variations différentes. Il y avait des occurrences à chaque Kwakufois. C'était hallucinant. Alors bien sûr, c'est pas la première fois que des mots nouveaux émergent chez les plus jeunes. Hein. Y a beaucoup de mots qui viennent du verlan, de l'argot, qui puisent leurs racines dans les langues arabes, ivoiriennes, camerounaises et bien d'autres. Et en 2013, Rachid Laïrech, qui est journaliste à Libération, il célébrait déjà la langue et le flow de la périphérie. Je cite des blousons noirs des 60s aux baggies en passant par la génération funk et taquini. Vraiment, moi, ça m'a évoqué des souvenirs assez précis. Ouais. Mais ici, un peu comme le mot bolos qui a surgi au début des années 2000, c'est chez les ados du Val-de-Marne, a priori, on a du mal à définir l'origine et l'étymologie de Kwakubé. J'ai pu parler avec le TikToker Cameron, qui est connu sous le pseudo de La Vache. C'est un jeune homme de 22 ans qui est à l'origine du Kwakubé, hein, c'est un peu le créateur du Kwakubé, pour tenter d'avoir une explication. Et il m'a dit notamment ceci. Il m'a dit qu'effectivement, le mot en soi, il ne veut rien dire, mais que quand il était plus jeune avec ses amis, il disait beaucoup Kwaku. Quand quelqu'un disait quoi, il disait aussi Abou quand quelqu'un disait un, et que tout ça, il y a une origine du côté de la Côte d'Ivoire et que ça fait des années que ça existe là-bas et que lui, il se l'est réapproprié, il en a fait plein de formulations. Et lors d'un live, c'est la version Kwakubé qui a pris et qui derrière est devenue, qui a percé tout simplement. Et en fait, pour moi, ce qui compte avec ce mot, c'est pas forcément son sens ou sa définition, c'est l'intention qu'il y a derrière, c'est-à-dire troller, vanner, chambrer, piéger la personne en face de soi. Et c'est encore mieux si c'est un adulte, comme un professeur, par exemple, ou un présentateur d'émissions sur Twitch. Et ça va très loin, puisque beaucoup de profs sont excédés, et ça se voit dans les vidéos qui tournent sur TikTok. Et franchement, je peux comprendre leur agacement, parce que déjà, à l'époque, nos profs, ils ne voulaient pas qu'on parle feu-feu devant. Je me souviens de profs assez agacés. Parce que c'était quelque chose à nous, sur lequel ils n'avaient pas de prise. Ils se sentaient exclus de nos codes, nos références, notre langue, et donc de notre culture. Salomé, t'en parlais justement avant sur la culture Internet. Et on retrouve ça vraiment dans le Kwakubé. Ces jeunes, ils ont trouvé une expression qui les rassemble entre eux, pendant que les parents, les profs, eux, sont exclus. Et plus fort encore, je trouve, c'est que l'autorité de ces derniers, elle soit presque remise en jeu à cause de mots et de phrases qui n'existent même pas à la base. Et je trouve ça assez fou, en fait, de voir que ça existe et que c'est réel, quoi. C'est la victoire éphémère, mais la victoire, quand même, je trouve, du non-sens et de l'absurde sur l'ordre et le cadre. Et dans un monde où jeunes, on leur dit « sois jeune et tais-toi », je trouve ça assez fascinant. Voilà. Merci beaucoup. Non, ah non, c'est pas fini, attends. Oh, on va avoir un mot tous les deux après. Ouais, non, je suis désolé. Surtout qu'en fait, j'ai demandé son avis à Monté de la chaîne Linguistica, qui est vraiment spécialiste en linguistique, tout simplement, et il m'a dit quelque chose d'ultra intéressant. Il dit que pour lui, qu'on a déjà vu des formes d'argot, de parler, qui s'adressaient uniquement à certains groupes de gens, souvent populaires, afin d'affirmer un refus de la norme linguistique de l'élite. Et pour lui, il trouve que c'est vraiment un bon signe, des mots comme Kwakubé, de voir que les gens se réapproprient la langue. Ça serait inquiétant, selon lui, si la langue restait figé. Et je trouve ça encore une fois génial de pouvoir se dire ça et que le Kwakubé peut apporter quelque chose de positif. Sauf que, comme beaucoup d'expressions, le Kwakubé est en train de devenir mainstream en se diffusant chez les adultes qui finissent par le comprendre, l'utiliser et parfois le contrer. On a déjà vu des profs sur TikTok faire ça. Et ça va à l'encontre du but initial, parce qu'au début, c'était rassembler les jeunes et les mettre à l'écart les adultes. Donc si vous êtes prof ou parent, rassurez-vous, le Kwakubé est déjà en train de s'essouffler et ça va forcément se ringardiser un peu. Vous allez pouvoir retrouver un peu de sérénité. Mais avant de partir, je dois vous prévenir, La Vache m'a envoyé, donc La Vache, le TikToker à l'origine du Kwakubé, m'a envoyé une vidéo et il me confie qu'il a un plan secret en tête pour inventer de nouveaux mots. C'est une exclusivité backseat, vraiment. On a la vidéo. Hey, salut l'équipe, c'est La Vache. J'espère que vous allez bien. Donc, comme j'ai dit sur la précédente vidéo, là, il y a des nouveaux mots que je suis en train de voir. Donc là, j'espère que vous allez être branchés parce que là, on va bien pranker les gens. Là. Donc, ça veut dire rester connecté. Allez, bisous. Voilà, donc prenez garde, c'est que le Kwaku début. Merci à tous, bonne soirée. Merci beaucoup Vincent, extraordinaire, merci beaucoup Vincent. Pour ce point, applaudissements de Vincent. Extraordinaire. Chers amis, Salomé, tu as une analyse à produire sur le Kwakubé ?
Ah bah, bah Salomé, s'il te plaît. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup perturbée dans la chronique, c'est qu'il a parlé de feu-feu. Moi, chez moi, on disait pot-au-feu. Donc, bah ouais, il y a que moi, il y a qu'en Ardèche qu'on disait pot-au-feu. Ouais, apparemment, l'Ardèche, c'est... ah non, je suis désolé, Salomé, mais là, t'es toute seule sur ce plan. Hein, Non, Bilal. Moi, je pensais qu'il y avait une autre étymologie, après qu'il y avait une vraie étymologie derrière, genre le quakoubé. Je pensais que c'était quoi, a, koubé, koussé, koudé, etc. Genre qu'il y avait un truc genre le cou, la première syllabe de quoi, et après tu changes la deuxième lettre et tu fais genre tout l'alphabet. C'est un nouveau quoi-alphabet. J'ai vu genre des gens se répondre comme ça. D'accord. Bien, Vincent. Il n'a pas fait son travail. Il n'a pas fait non, son non, travail. Non, je pense pas que ça soit vrai. En réalité, c'est genre des potes. Non, en fait, il y a eu plein de théories, apparemment. Il y a plein de gens qui disaient que c'était québécois en verlan, alors que non, c'était juste pour provoquer un quoi, pour que les gens se fassent troller ensuite. Enfin, il y a eu plein de théories, mais a priori, ça n'a pas de sens. Voilà. Ah, ok. Source t'inquiète. Merci. Merci pour ton travail de recherche. Merci beaucoup du fond du cœur. Bilal Hassani, on retrouve du coup les quatre derniers morceaux de Théorème qui sortent du coup vendredi prochain, à retrouver un peu partout. Ça fait super plaisir. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau, Bilal. Merci beaucoup Salomé du livre Sois jeune et tais-toi, que vous retrouvez dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup du fond du cœur. On se fait un générique et on se retrouve après pour la suite de Baptiste. À tout de suite. Merci à toutes et à tous d'être si nombreuses et si nombreux. Il fait une chaleur à crever dans l'Empire Richelieu de la Sorbonne. Très heureux de vous retrouver pour cette émission de Backseat spéciale 50 ans de Libé. Merci à vous d'être là. Bonsoir le chat, bonsoir à toutes et à tous. Je ne suis pas tout seul, je suis avec de très très belles personnes qui nous ont rejoints sur ce plateau. Ce soir, on fait un plateau spécial Backseat. Je suis très bien entouré. On est avec Léa Chamboncel. Salut Léa. Bonsoir. Applaudissements pour Léa, extraordinaire. Léa, podcasteuse et fondatrice de Popol Media, merci à toi d'être avec nous. À côté de toi, on est avec Thomas Legrand. Salut Thomas. Salut, bonsoir Jean. Thomas, tu es éditorialiste politique à Libération et tu es également producteur à France Inter. C'est à toi qu'on doit la formidable émission En quête de politique. Voilà, il faut écouter le samedi à 18h. Ou alors en podcast. Hein, mais en podcast, mais ouais. Quand vous voulez. Merci beaucoup d'être avec nous, Thomas. On est également avec Malek Délégué. Salut Malek. Bonsoir à tous. Malek Délégué. Toi, tu es conseiller en communication politique. C'est ça. Et ancien chroniqueur chez nos petits frères de la télévision. Exactement. Et maintenant sur Twitch et à la Sorbonne. Let's go. Ça fait trop plaisir de t'avoir, Malek, excuse-moi. Et on est aussi avec toi, Alexandra Schwarzbrod. Bonsoir, Alexandra. Bonsoir. Alexandra, tu es directrice adjointe de la rédaction de Libé, romancière également. Tu es grand prix de littérature policière pour Adieu Jérusalem. On est très content de t'avoir avec nous, Alexandra. Bon, bah, ce soir, du coup, on fait un plateau mixte. Il est où, Usul ? Je crois savoir qu'il est en route. J'ai demandé. Bon, d'accord. On m'a dit qu'il arrive. Veut, hein. Non, non, mais il vient quand il veut. Le petit Usul est demandé à l'accueil. C'est totalement ça. Non, Usul, il arrive quand il arrive. Hein. Bon, les copains, c'est quand même un Backseat très particulier à l'occasion d'une journée très particulière. On est ici à la Sorbonne, dans l'Amphi Richelieu. Les gens sur Twitch ne le savent pas forcément, mais en fait, toute la journée ici, à la Sorbonne, il y a eu un grand événement à l'occasion des 50 ans de Libé. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, Thomas ? Eh ben, il y a eu plein de tables rondes avec, où on a réfléchi avec... Usul, voilà, mesdames et messieurs. Bonsoir Usul. Usul, tu es chroniqueur pour Backseat. Bonsoir. Il est marqué 20h, il est 47. Mais là, il n'y a pas écrit 20h. À quel moment t'avais vu 20h ? Sur la feuille de service ? Pardon, excusez-nous, c'est une discussion de producteur. Non, mais ça, c'est le... T'as fait exprès. En avance, en fait. Tu voulais te faire désirer. Bah écoute, bah, voilà. Oui. Classique. Bon, bah, pour ceux que ça intéresse, Usul, chroniqueur sur Backseat, Mediapart et Blast, ça fait plaisir de t'avoir avec nous, Usul. Bonsoir. Voilà. J'étais en train de demander à Thomas, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Du coup, des tables rondes. Des tables rondes, ici et dans un autre amphi, on a parlé de... non pas des 50 ans de Libé, mais on a parlé de la gauche. Et la gauche est-elle réconciliable? Parce que la gauche est divisée. Et pareil, sur des tas de thèmes, sur les tas de thèmes, les thèmes de sociaux, de la laïcité, ouais. Et puis aussi de la radicalité. Est-ce qu'il faut être plus radical? Est-ce qu'extrémiste et radical, c'est pareil? Est-ce que ça ne serait pas un peu raisonnable d'être radical, puisque la situation est quand même un peu tendue? Et voilà, nous, on est un journal qui accompagnons la gauche depuis 50 ans, ça me fait rigoler de dire ça parce que moi j'y suis depuis pas très longtemps. Mais Libération, je suis très corporate, donc ouais. Libération
accompagne la gauche. Et là, en ce moment, il faut peut-être essayer de recoller les morceaux. Et puis, y a un petit débat intellectuel à avoir. Il faut réfléchir. Et un journal, ça sert aussi à ça. Ça ne sert pas qu'à ça. Ce n'est pas la base du journal. Hein. La base du journal, c'est de faire des reportages et de parler du monde. Pas spécialement de la gauche, mais on est un journal... Bon, d'opinion. En tout cas, oui, c'est ça. Mais quand on a commencé à préparer cette émission, on s'est dit qu'en fait, Libé et Baxit, on avait quand même un paquet de points communs. Par exemple, une passion pour la politique. Ça aussi, c'est spécifique. Libération est un journal politique. C'est un journal politique, c'est un journal culturel, c'est un journal très complet, mais c'est un journal très politique, oui, et qui est né de la politique, de la reconstruction, ouais, justement, de la gauche après 1968. Et donc, la politique a une importance énorme. Mais aussi la culture, très fort, et puis le journalisme. Le journalisme, et ça, c'est quelque chose de très important, le journalisme, c'est le reportage, c'est ce qui se passe à l'étranger, ce qui se passe dans la société. Et on a un journal observant le monde et la France. Est-ce qu'on fait du journalisme, nous ? Non, je sais pas, je me tourne vers toi, Malek, t'en penses quoi, toi ? Chroniqueur, ça veut dire journaliste pour toi ? J'en sais rien. Moi, je me considère absolument pas comme journaliste. Ouais. Moi, c'est de l'opinion. Éditorialiste, à la limite, me convient mieux, ouais, tu vois, que journalisme, je n'ai absolument pas la prétention de l'être, tu vois. Ouais, non, mais je comprends, Usul. L'éditorialiste, c'est un journaliste parmi tous les métiers possibles du journalisme. Ouais, traditionnellement, enfin, il y en a toujours eu au 19e, il y a déjà des gens qui, en fait, bon, bougent très peu de leur cabinet, mais lisent ce que font les autres et commentent et machin, en se basant autant que faire se peut sur les faits, évidemment. Ça, c'est quand même, tant qu'à faire. Bah oui. Enfin, encore que tu me diras. Justement, c'est aussi peut-être la limite du truc, c'est qu'on a vu aussi des éditorialistes commencer à se c'est un des métiers du journalisme, mais le journalisme, 80% des journalistes, ils travaillent pour la presse spécialisée, ils écrivent sur la chasse, ils écrivent sur la pêche, sur la voiture, c'est très vaste le métier de journaliste, et là-dedans, oui, éditorialiste, c'est une des spécialisations possibles. On a le visuel de la première une de Libé sortie en 1973, vous pouvez la montrer en régie, voilà, prenez votre journal en main. C'était le tout premier numéro de Libé. D'ailleurs, si vous vous abonnez à Libé avec l'offre spéciale Baxit, 10 € pour 6 mois d'abonnement, c'est quand même vraiment pas cher, vous pouvez avoir ce premier numéro de Libé en version PDF. Sinon, je peux partager mes codes, hein, gratos. Non, commence pas. Non. Le journalisme, ça se paye, c'est un coût. Ouais, et c'est moins cher avec Baxit. Like. Enfin, bref. Et donc, du coup, pour les jeunes, qu'est-ce qui s'est passé en 73, Alexandra ? Tu saurais nous raconter l'histoire de Libé ? Pourquoi Libé a été créé en 73 ? Alors, moi, j'y étais pas en 73, je suis arrivée en 94. Mais il faut voir la société dans laquelle Libé a été créée. C'était une société où il y a encore plein qui est encore très corsetée, où il y a plein de conventions. Libé a été créée pour faire sauter tout ça. Le maître mot, c'était la liberté. Liberté de ton, liberté d'opinion, liberté sexuelle. Faut voir, la société à l'époque était quand même très coincée. Et Libération, tout à coup, est arrivée et a fait sauter tout ça. C'était un journal jeune. Pardon ? C'était un journal jeune, un journal de jeunes. Super jeune, mais ouais. Super jeune, bien sûr. Oui, très très jeune. C'est ce que Serge Lee disait dans le numéro spécial 50 ans que vous avez fait il y a un mois. Il parlait de la volonté de créer Libé autour de la volonté de parler ce dont la jeunesse était témoin aujourd'hui, mais dont personne ne parlait. Oui, exactement. Par exemple, le rock, en fait, simplement la contre-culture, les concerts, il y avait des mouvements de la jeunesse, il se passait des trucs, mais personne n'en parlait. Donc c'était un journal jeune, il fallait que les jeunes aient leur propre... Totalement jeune, ouais. Qui parlait notamment de la nuit. Personne ne parlait de la nuit, de ce qui se passait la nuit dans les concerts, dans la rue, dans les boîtes. Et ça, Libé avait même une rubrique sur la nuit. Et ça, c'était une nouveauté dingue à l'époque. Les chroniqueurs de Baxit, pour vous, Libé, ça a quel rôle ? Ça a quelle place ? Dans votre formation, dans votre consommation d'actu, Léa ? Oh, bah une grande place. Moi, tous les matins, je lis religieusement le Libération, sur Internet, notamment. Je continue à lire aussi Le Monde en format papier. Désolée, je ne suis pas abonnée à Libé en format papier, mais en numérique. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que ça m'a accompagnée tout au long de ma politisation, en quelque sorte. Moi, j'ai été politisée relativement jeune, vers 14-15 ans. Et je suis partie en échange au Brésil pendant un an, et ma maman m'achetait... les unes de Libé, les grosses unes de Libé, genre... Ah, genre affichées dans ta chambre, Je suis rentrée, j'avais tout un tas de journaux de Libé que ma mère m'avait acheté pendant mon absence, et d'ailleurs, je la remercie, c'était assez chouette. Bah, ouais. Donc, il y a toujours eu un attachement très fort, un journal qui m'a vraiment accompagnée tout au long aussi de mes études,
Et un journal d'opinion qui fait du bien en somme, parce que quand on lit Le Monde à côté avec des choses peut-être un peu plus techos, qui est important aussi, hein, bien sûr, mais on a cette approche, ce regard engagé, et on va en parler, je pense, qui est assez frais et qui continue à perdurer. Mais on revient Alexandra, justement au mot liberté. Il y a une liberté de ton totale à Libé, c'est-à-dire quelqu'un veut écrire un billet d'opinion sur un sujet, n'importe quel sujet, il peut le faire, quel que soit son âge, quel que soit même s'il est là, Thomas a écrit pour nous depuis un an, il peut écrire ce qu'il veut, oui. Par exemple. Oui, bien sûr, il a t'engueulé avec les gens. Voilà. Oui, j'ai écrit avant-hier un papier qui n'a pas plu au chef du service culture, il l'a dit même sur Twitter, mais ce n'est pas grave, la vie de Libé, c'est une vie mouvementée, c'est une vie tumultueuse. Moi, ça m'a toujours fait rêver. Je suis journaliste depuis bien longtemps, depuis plus de 35 ans, et j'ai toujours eu des copains à Libé, j'ai toujours lu Libé, et j'entendais toujours les disputes, toutes les discussions. Ça bouillonnait, c'est un journal qui bouillonne. Alors, Alexandra, je ne vais pas... nous deux, là, on n'est pas les plus jeunes de on moi, s'en fout, la jeunesse, c'est je pour suis la vie. Plus, je suis peut-être le plus jeune. Rentré. Mais c'est un journal qui reste très jeune. La plupart des journalistes, dans les journalistes sont jeunes. Oui, il y a plein de journalistes très jeunes. Ouais, et voilà, ça ne se voit pas avec nous deux ici, un peu par hasard. Mais parce que les autres boss, ils sont en train de faire le journal, parce qu'il y a c'est tous les jours. Ben oui. Mais voilà, et ça reste ça. C'est le bouillonnement. Et Libé, c'est un journal qui fouine et qui va voir ce qu'il y a dans la société. Est-ce qu'il y a de nouveau C'est connu pour ses unes, tu as raison. Et les unes, si on fait toutes les unes de Libé de ces dernières années, et d'ailleurs, il y a un très beau livre sur les 50 ans de Libé avec la photo, l'iconographie, la photo de Libé est très toujours important. Très présent dans Libé. Là. Et les unes sont souvent mythiques avec des titres un peu des jeux de mots, des bons jeux de mots bien foireux comme on aime. Et on les bosse beaucoup. On les bosse beaucoup. Malek, toi, Libération. Bah, je vais me faire engueuler par Thomas, mais moi, mon premier rapport avec Libération, ça a été un partage de code aussi. on a tous commencé. J'ai politisé aussi très jeune, et c'est mon pote Sébastien qui m'a filé les codes, et ensuite j'ai été collaborateur parlementaire à 18 ans, et j'avoue que je grattais les codes de mon patron pour pouvoir lire Libé tous les jours. Mais tu lisais Libé tous les jours. Tous les jours. Très tôt. Ouais. Alors moi, j'ai toujours eu un focus sur les pages idées avec l'espace de l'opinion. Ça m'a toujours intéressé, ce qui m'a aussi permis moi de me construire. Et j'aime beaucoup cette ouverture que fait Libé. Là, la belle offre pour Backseat en est une, mais il y a eu plein d'offres pour les moins de 26 ans, j'ai vu, que moi je partageais à mon petit frère notamment. Et même aussi avec les newsletters, je lis chez Paul tous les matins. Voilà, ça me fait rire, il y a des jeux de mots, c'est sympa, on apprend des trucs, des petites indiscrétions. Il y a un vrai taf. Et il y a aussi plein de jeunes journalistes chez Libé que moi j'ai croisés dans ma vie pro sur le terrain, ou alors même c'est l'été dernier, un mariage. Voilà, salut, tu fais quoi? Je suis journaliste à Libération, Service Culture. Voilà, et on a eu le temps, j'ai fait le débat sur les 50 ans de Libé. Avant ce soir, désolé. Bah non, mais c'est cool. Usul, toi, Libé, c'est un journal que tu as beaucoup lu. Bah, à la base, pas trop, parce qu'il y a eu toute une période, référendum 2005, etc., où j'étais peut-être trop à gauche pour Libé. Ouais. Il y a eu Libé n'était pas assez pour toi, on peut le dire. Où Libé n'était pas assez pour moi. Ou alors, la place qui était faite aux uns et aux autres dans ce débat qui est Libé ne correspondait pas à ce que moi je cherchais. Voilà. Je préférais lire Le Monde Diplo ou d'autres trucs. Et puis, je m'y suis mis quand même au bout d'un moment. C'est devenu le petit rituel, le Libé, le café, le matin. Il y a des chroniques, des trucs, le fait qu'il y ait à la fois, il y a Schneiderman, il y a Chapoutot, c'est incroyable. Ouais, c'est Yoann Chapoutot, un historien qui est super intéressant. Yoann Chapoutot. Ouais. Et non, Libé, c'est devenu un peu le truc du café du matin. Alors, le confinement a tout niqué, je suis passé en numérique. J'ai arrêté d'acheter le Libé du café parce qu'il était plus dispo. Je demandais. Ah non, oui. Plus, on avait un truc des distributeurs à Lyon qui faisait qu'il y avait plus de. Enfin bon, bref. Et sinon, je lis aussi Mediapart parce que sinon où il y a aussi plein de jeunes journalistes qui font vivre la presse, le débat, etc. Ouais. C'est très bien. Il y a Popol aussi. Popol, c'est pas mal. Oui, il y a Maxime aussi. Commencez par. Il y a plein de trucs. France Inter aussi. Mais non, Libé vraiment. L'entendre aussi comme un carrefour où vont se rencontrer des tribunes contradictoires sur la même page. Sur la même double page, et puis on regarde un petit peu ce qui se dit, et puis on se dit putain, ils ont invité l'autre con, évidemment il dit des trucs de con, heureusement à côté il y a voilà. Et on trouve et on fait son truc, quoi. Moi j'ai une petite question pour vous de Libération. Vas-y, c'est qui trouve les jeux de mots? Enfin, est-ce qu'il y a genre une meuf, mec dédié? Est-ce que vous faites genre des brainstorming? Parce que c'est incroyable, ils sont trop bien. C'est vraiment un travail collectif, c'est-à-dire que pour faire enfin
pas seulement à l'intérieur du journal, on a des éditeurs, sérieux. On a des éditeurs, on est très très drôle, des jeunes éditeurs notamment qui sont super et qui adorent les jeunes à Libé sont presque. Encore plus attachés à l'esprit Libé que les plus anciens, et donc les jeunes se prennent le chou parfois pendant une heure sur un titre pour essayer de trouver le titre qui va tilter. La une, on se réunit à plusieurs, à qui veut d'ailleurs, c'est ouvert à tout le monde, et là on se prend le chou, on dit le plus de conneries possible, parce que c'est là où tout à coup, on a les deux mots qui s'assemblent et qui font la bonne manchette. Mais ça peut durer 5 minutes, parce que tout à coup jaillit une idée formidable, enfin en tout cas qu'on trouve nous formidable. Ça peut durer 2 heures, parce qu'on n'y arrive pas, on ne trouve pas, et on bute, et on ne veut pas sortir de la salle avant d'avoir trouvé la manchette qui nous plaît. Libé, c'est aussi un journal engagé. C'est quand même une identité, on demande aux gens Libération, on nous répond au journal de gauche. Oui. Alors, c'est revendiqué, c'est souhaité. Oui, oui, bah c'est historique, ça a été créé par Jean-Paul Sartre et ça a été créé par des gens de gauche. Et dans le panel des journaux français, Libé est de gauche. Alors, il y a une période, il était d'une certaine gauche. Et maintenant, il prétend d'être de toutes les gauches et d'essayer de revenir à une situation, dis-moi si je me trompe, Alexandra, mais une situation où c'est un petit forum où les gauches s'engueulent. Mais c'est bien, on peut s'engueuler. En même temps, il n'y a pas d'enjeu. Moi, je peux parler, je m'engueule sur un édito, et puis je peux changer d'avis. On me dit, ah ben oui, mais en fait, il a raison. Je dis qu'une connerie, il n'y a pas de... Je ne suis pas élu, je ne suis pas... Mais on a toujours été le journal de toutes les gauches. Oui. Simplement, en fonction des gens qui sont là, la direction, ou dans les jeunes embauches, le rapport de force entre la gauche de la gauche et la gauche plus... Toujours un peu anarch, quand même. Voilà. Il y a toujours cette... Ça change. Cette liberté qui... Non, mais ouais, ok. Non, non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, on peut, y a peut-être des jeunes, etc., Il y a ce côté toujours un peu anarch, mais on parle 2 secondes d'idées politiques, dans l'anarchie, il peut y avoir, dans cette idée libertaire, il y a un peu le mot libéral aussi, quelquefois. C'est là où je tiquais un peu sur anarch. Ça peut être... Non, mais quand je parlais de la période où je pouvais pas lire Libé, c'est là où t'avais du mal, ou de la période de Morand, ou voilà, où il y a eu des moments où j'étais là. Oui, mais il y avait toujours des pages qui te plaisaient si tu allais fouiller, mais bon, ça te fatiguait un peu. Ouais, puis moi la culture, bon, le sport, moi c'était la politique et et l'économie aussi, un peu d'économie. Mais c'est un journal. Ce que je voulais dire quand même, c'est que c'est d'abord un journal et il faut. Moi, j'ai l'impression que depuis quelques années, en tout cas depuis qu'il y a cette nouvelle direction, Libé s'est d'abord recentré sur le boulot d'un journal. Et le boulot d'un journal, c'est les faits, le reportage, les enquêtes, révéler des choses. Novalfon dit qu'un journal, c'est écrire quelque chose, écrire demain matin dans le journal quelque chose qu'un puissant quelque part ne voudrait pas voir écrire. Et ça reste, il faut que ça retrouve ça, et c'est en train de retrouver ça. Et ça, c'est intéressant. Et ce qui me réjouit, moi, qui suis éditorialiste dans ce journal, c'est de regarder tous les jours les clics et le volume. Parle bien dans le micro, s'il te plaît. Le volume des oui, la radio, je ne connais pas très bien. Et donc, Twitch. Et de constater que le plus gros volume de clics, c'est sur Check News, c'est sur les faits, les infos et tout ça. Pas sur l'opinion. Voilà. On a retrouvé une d'ailleurs de 1989 de Libération sur le changement climatique. Je ne sais pas si vous pouvez l'afficher. Objectif Terre. C'était en 89. Oui. Libé a aussi été un journal qui a suivi des engagements avant-gardistes. C'est aussi un peu la douane. On parle des par exemple les droits LGBTQI+. Ça a été là aussi un combat de Libé. Il y avait les années SIDA. Il y a eu des moments aussi où Libé a été à l'avant-garde de la gauche. C'est toujours le cas aujourd'hui? Alexandra ? Ah bah oui, bien sûr, il y a toujours... De toute façon, on voit bien que ces combats-là que l'on menait déjà il y a longtemps, ils sont toujours d'actualité. Hein. On s'est battu beaucoup pour les droits des femmes, pour l'avortement, contre la peine de mort, enfin voilà, tous les grands combats. Pour les homosexuels. Enfin, tous ces grands combats de société, on les a menés et on voit bien que il faut continuer à les mener aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est pas fini. Non, l'égalité des droits, c'est pas une évidence qui est gravée dans le marbre. Il faut continuer à se battre pour ça. Contre les féminicides, par exemple, on a été parmi les premiers à faire le décompte, décompte mensuel des féminicides, qui est un fléau monstrueux. Et ça, il faut se battre
pour essayer de faire cesser ce fléau. L'avortement, on s'est battu pendant des années pour le droit à l'avortement. Et on voit bien que ce combat, il faut le mener à nouveau. Parce qu'en Europe même, il y a des voix qui s'élèvent contre l'avortement. Donc, c'est vrai qu'on a été à l'avant-garde de tout un tas de combats. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ils sont toujours d'actualité. Et le dérèglement climatique, alors ça, c'est carrément... Oui, non, carrément. C'est là maintenant, nous, on a passé la démultipliée. Là, on y va tous les jours, je crois, on a un papier sur le sujet. Parce que c'est gravissime, ce défi-là. Vous aussi, dans vos activités, sur Internet, vous êtes engagé. Vous définissez comme engagé. Léa, t'es féministe ? Ah bah moi je suis même oui. En fait tu as le droit de dire non mais mais je ne dirais pas non puisque je suis effectivement féministe, je suis même militante, je peux le dire hein, et ma pensée, ce que j'essaie de transmettre, la déconstruction mais à la fois la construction aussi, parler du féminisme en tant que projet politique etc. C'est un travail à la fois effectivement d'information mais pas que, c'est aussi un travail de sensibilisation. Et c'est de fait éminemment un travail politique, mais pas que. C'est aussi un travail qui permet, je l'espère en tout cas, de faire évoluer les mœurs, de sensibiliser les consciences. Je voulais juste revenir sur... on n'arrête pas de parler de la gauche. Et j'ai le sentiment qu'on n'a pas encore pris le temps de définir ce terme. C'est quelque chose d'important. Est-ce que vous avez 4 heures devant vous? Non, mais voilà. Parce que du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Un journal de gauche, c'est quoi? Sommes-nous de gauche, etc. Donc je suis allée voir sur Internet. Ah, parce que je me suis dit, je vais taper sur Internet. Il y a Thomas Legros à côté, si tu veux. Ouais, ouais. Choisir. Et du coup, je regarde et je vois, je tape gauche dans Larousse. Voilà, simple. Et là, je lis. Qui est de travers. Je ne suis pas tout à fait satisfaite. Finalement, je me dis, est-ce que ce n'est pas un peu ça, hein, la gauche aujourd'hui? Est-ce qu'elle n'est pas un peu de travers? Est-ce qu'il ne faudrait pas la remettre sur le droit chemin? Et en anglais, figurez-vous que ça veut dire « socially awkward ». C'est quand même très fort. Ça veut dire « socialement bizarre ». Donc voilà. Donc, et effectivement, politiquement, c'est quoi être de gauche? Thomas chez Libération, c'est quoi le... Oui, c'est vrai ça. C'est quoi le mot gauche? Les gauches, la gauche... C'est la question la plus compliquée. La gauche. Je pense que ça pourrait être un débat au sein de la rédac en plus. Oui, ça l'est en permanence parce que tout le monde s'accuse de trahir la gauche. Et la gauche, c'est plus trahir à un moment dans sa vie. Ceux qui sont trop à gauche trahissent la gauche par la gauche. Ceux qui sont trop pas assez à gauche trahissent la gauche. Donc le saut de gauche, je suis bien embarrassé de devoir quand même la gauche, c'est la justice sociale, l'égalité des droits. C'est ça, la justice et l'égalité. Moi, c'est la liberté, la remise en cause de l'ordre, liberté, égalité, fraternité, l'émancipation. L'émancipation collective, c'est bien, pour être précis. Oui, mais ça peut être aussi l'autodétermination. Par exemple, on peut imaginer que les services publics de l'État permettent à des gens de s'émanciper même de leur propre famille. Et donc, s'inscrivent moins dans le... Enfin, tu vois, quand t'as une famille, par exemple, homophobe, que tu dois te barrer de chez toi, est-ce que c'est pas au collectif? Oui, t'as raison, le collectif vient aussi, à un moment, créer ce truc-là. Donc, l'émancipation, oui, collective, oui. Ouais. Oui, t'as raison. Collectif et individuel. Individuel. Cette tension, même chez Marx, hein, aussi, déjà, de ce truc-là. Je suis impressionné par le nombre de gens que je vois, notamment sur Internet, notamment des jeunes qui ont une définition ultra précise de ce qu'est, et surtout de ce que n'est pas la gauche, qui est extrêmement cornaquée dans une définition très, très arrêtée, très stricte, et qui passent leur journée à trouver des bons et des mauvais points. Et ils disent quoi alors? Que Libé n'est pas de gauche. Parce que pour eux, c'est quoi la gauche? Je crois que j'ai foutu la merde. C'est la question, je pense. On en parlera avec notre invité politique tout à l'heure. C'est la question de trahison, de déception. La gauche, c'est un truc qui n'a jamais vraiment existé. Notre invité politique a été accusé de ne pas être de gauche aussi. Donc justement. Non, mais on va en parler aussi avec lui de ce que ça veut dire la gauche et de ce que ça ne veut pas dire. Mais... Emmanuel Macron nous a même dit qu'il était de gauche parce que sa définition à lui, c'était le progrès. Voilà. C'est vrai ça. Oui. C'est pas ça parce qu'il a essayé d'opposer effectivement progressisme. La liberté, l'égalité. Non, surtout progressisme via le monde réac en quelque sorte. Est-ce que vous, pour vous, Macron, il est de gauche ou pas? Moi, j'ai ma petite idée, hein, mais... Alors, est-ce qu'il l'est? Ma petite idée, mais j'aimerais bien vous entendre. Lui, il prône le dépassement droite-gauche, et généralement, ceux qui prônent le dépassement droite-gauche ne sont surtout pas de gauche. C'est les fascistes. Ouais, c'était Mitterrand. Non, mais les fascistes disaient ça.
C'est vrai. Les au-delà de la boutade, hein, au-delà de la boutade, oui, c'est bon. très souvent, c'est des en sciences politiques. Mais Macron n'est pas fasciste. Il a beaucoup de défauts. Non, voilà. Non. On a dit généralement. Non. On peut dire il peut y avoir des exceptions. On peut dire que les fascistes aussi prétendaient dépasser. On va le dire comme ça. La droite et la gauche. Oui, oui. Oui, tout à fait. Oui. Mais en tout cas, non, mais la question est ouverte, c'est aussi ça qui est beau avec la gauche, c'est que la question est ouverte, et Libération a fait aujourd'hui une journée de colloque où la question, en fait, est revenue en permanence. Bah, voilà. Non, mais c'est quoi la gauche et de quoi et on parle ? Chacun sa définition. Chacun a une définition, mais c'est quand même une famille. On se reconnaît. Il y en a pour qui c'est... Non, c'est une famille dans laquelle on s'engueule. Ah, moi, ma définition, si je devais en donner une, je reprendrais la définition de le triptyque de la République, parce qu'au départ, la République, c'est une idée de gauche, ouais. Liberté, égalité, fraternité. Et alors là, il faut faire une hiérarchie. Est-ce que c'est la liberté en tête ? Est-ce que c'est l'égalité ? Est-ce que c'est la fraternité ? Est-ce que tu dirais... L'égalité est centrale. L'égalité est centrale. L'égalité, la liberté est essentielle et la fraternité, on ne peut pas vivre sans. Donc j'ai du mal à faire une hiérarchie, mais je dis l'égalité est centrale. Voilà. Y a aussi un point commun qu'on a, Baxit et Libé. En 50 ans, Libé, vous n'avez jamais interviewé Jean-Marie Le Pen. Mm-hmm. Vous n'êtes pas un peu intolérant ? Il fallait que ça fasse celle-là. Hein, et qu'en est-il de la démocratie, Libé, tout ça ? Non, mais en vrai. Moi, un parti qui prône la préférence nationale et donc qui exclut une grande partie de la société, qui refuse une grande partie de la société, qui est pour moi un parti anti-républicain, j'ai pas du tout envie de lui donner, de lui ouvrir le micro. Mais par-delà la boutade, c'est la question que je voulais vous poser aussi, c'est qu'est-ce que vous faites des gens qui vous disent qu'un bon journaliste se doit d'être neutre et objectif ? Quelque chose que j'entends beaucoup. Avec lequel je ne suis pas d'accord, mais objectif, ça veut rien. Alors, objectif, ça veut rien dire. Ouais. Objectif, mais neutre, alors, tiens. Neutre. Donner la parole à tout neutre le monde. Neutre non plus, il faut qu'il soit honnête, dire d'où il parle. Moi, c'est assez particulier parce que je suis à France Inter et à Libération. À France Inter, on interroge, on interview. Notamment parce que la loi vous y oblige. La loi nous y oblige, pas que la loi. La direction. Non, pas que la direction ni la loi. Je mets la direction dans la loi, puisque c'est elle qui fixe la règle. Non. Moi, je suis tout à fait d'accord, étant à Libé, que Libé n'interroge jamais Jean-Marie Le Pen, ou Marine Le Pen maintenant, parce que c'est un journal qui se situe à gauche, qui défend certaines idées et qui n'a pas envie de donner, même avec la contradiction, de rentrer dans ce jeu-là. Mais une radio de service public se doit d'interroger la patronne d'un parti politique qui a un groupe représenté à l'Assemblée à partir du moment où les gens ont voté pour lui. Ça voilà. Fait partie du package du service public, selon toi. Oui, des journaux qui ne prétendent pas afficher une couleur politique. Nous, on est un journal militant, donc il a le droit de choisir. Engagé. Je dirais plus engagé. Un journal engagé que militant. On est, on, oui, il y a un débat au sein de la rédac sur le côté. Voilà. Mais il y a tout le temps un débat. Est-ce qu'on vous le reproche ? Est-ce qu'on vous le reproche, cet engagement ? J'ai l'impression que parfois, pour certaines personnes, sur certains citoyens, être engagé, c'est déjà quelque chose de pas bien quand on est journaliste. Il y a une espèce de dans l'esprit de beaucoup de gens, j'ai l'impression, une espèce d'incompatibilité profonde entre avoir un engagement et être journaliste. Non, ce qui est incompatible, c'est le militantisme et le journalisme. Je pense que ça, c'est on peut pas parce que là, du coup on n'est pas crédible. On ne sait pas d'où on parle. Tu trouves que je suis pas crédible du coup? Parce que je milite, moi, en fait. Oui, c'est vrai. Mais le militantisme politique ou le militantisme en mode société civile, association ? Je pense que c'est compliqué, quand même. Ou alors, il faut que tu sois très situé, que tu sois très clairement positionné. Ah oui, il faut mettre les cartes sur table, ça, c'est sûr. Nous, on a des billettistes et des auteurs de billets qui sont clairement des militants féministes ou autres. Et ça, voilà, à partir du moment où on sait où se situe la personne qui écrit... D'où elle parle, au nom de quoi elle parle, là tout exemple. Va bien. Vas-y Thomas. Si. Je vais te donner un exemple. Vas-y. Entre un polémiste, pas journaliste, ou un homme politique, et un journaliste engagé. Moi, si je suis dans une émission de télévision, et que je suis dans un débat face à un journaliste du Figaro, qui ne pensera pas la même chose que moi, je sais, parce qu'il est journaliste et qu'il a les mêmes relations aux faits, je sais que je peux débattre avec lui, m'engueuler avec lui, mais par rapport aux faits, il ne mentira pas. C'est-à-dire que je peux dire, voilà, sur l'immigration... Éric Zemmour était journaliste au Figaro. Mais non. Et il ment. Non, qui ? Éditorialiste. Qui ? Non, Zemmour. Éric Zemmour. Non, Zemmour a quitté la sphère journalistique petit à petit. Il est devenu maintenant polémiste et homme politique. Et c'est justement...
T'as remarqué que, ouais, comme il n'était plus journaliste, eh ben, il est sorti. C'est ça. Mais moi, quand je débat, disons, avec mon alter ego, l'éditorialiste Guillaume Tabar, qui tous les jours, comme moi, fait un billet dans le... Bon, je peux considérer que les faits qu'il traite, il les traite d'une mauvaise façon, qu'il surestime le problème, certains problèmes de la laïcité ou certains problèmes de l'immigration ou de l'économie, il prend pas le bon angle, mais on se battra pas sur commun. La réalité. On a un langage commun qui est un rapport aux faits. Et ça, c'est la base journalistique. D'accord. Sans ce rapport aux faits. Et après, à partir de sans ce rapport aux faits, on n'est pas journaliste. On a une procédure, on recoupe les faits. Quand on dit des choses, quand on affirme des choses, quand on révèle quelque chose, on a dû le recouper parce que, d'abord, juridiquement, nos journaux, alors, c'est pas rentrer dans des questions un peu chiantes, mais juridiquement, nos journaux sont des... ont un statut juridique d'éditeur. Donc, on a une responsabilité. Par exemple, tous les réseaux sociaux sont des hébergeurs. Vous pouvez dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, personne ne va vous engueuler. C'est en train de changer. C'est en train de changer, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Nous, si on dit n'importe quoi, si on dit des choses qui sont fausses, on peut être condamné. Libé a été le premier canard à créer un service de vérification des faits. Ouais, à l'époque, ça s'appelait Check News, qui s'est appelé Désintox. Oui. Et on a été les premiers à lancer ça. Et c'est un succès. C'est dingue. Ouais, d'ailleurs, dans le fameux top 10 dont parlait Thomas tout à l'heure, les papiers qui sont les plus lus, souvent, ce sont les papiers de Check News, parce que les gens ont besoin qu'on leur dise si ce fait est avéré ou pas. C'est hyper important. Je précise pour ceux qui nous écoutent que le mot canard est un dans le jargon, ça désigne un journal. Voilà, c'est du jargon journalistique. Un canard, c'est un journal. À la base, ça désigne une rumeur. Oui, en plus, il paraît. Mais et à la base, encore un petit animal. Oui, bien sûr. Non, mais d'où le fait que le canard enchaîné, c'est justement que les rumeurs, mot. Machin... On les enchaîne. Voilà. Je pensais que c'était de parler de moi avec mes meufs, mais... Oh, Malek. Oh là là. Bienvenue sur Fun Radio. Usul, tu voulais dire un truc intéressant. Ouais, et puis j'ai oublié avec cette histoire de canard. C'est pas grave, je peux enchaîner si tu veux. C'est quoi l'avenir de Libé? Parce qu'on a aussi un point commun avec Backseat, c'est Internet. Mine de rien, Libé aujourd'hui, c'est un grand site d'information. Libé aujourd'hui, c'est d'abord un site d'information. Hein, c'est un site Internet l'actualité que vous imprimez sur le papier tous les jours. Et on en imprime une partie tous les matins. Ok, d'accord. Backseat, c'est un peu new libération, en vrai. Ah, tout de suite. Non, mais oui, en vrai. non, j'en sais rien, mais c'est quoi l'avenir? Comment est-ce que vous en parlez de l'avenir à Libé, Thomas? Par exemple, moi, quand je fais un édito et qu'il n'est pas dans le print, c'est-à-dire la version print, en tant que vieil éditorialiste, je suis un peu vexé. Je dis, oh bah merde, alors qu'en fait, il est plus lu étant dans le site. Mais... si vous allez sur le site de Libé, si vous vous abonnez à Libé, il y a une version print. Alors, ce n'est pas le papier, c'est la version print. Et moi, j'engage quand même les lecteurs ou ceux qui voudraient devenir lecteurs de regarder le print. Parce que je suis attaché à l'idée, dans le journalisme, il y a la hiérarchie. La hiérarchie de l'information, la hiérarchisation, la mise en page. Une mise en page dans un journal, quand on met des papiers ici ou là... Libé.fr, c'est éditorialisé quand même. Oui, mais si tu regardes, il y a les pushes, ça défile, c'est un peu comme ça, c'est un peu un robinet. Bon, est-ce que vous avez des algorithmes justement qui poussent des articles en fonction de nos utilisations? Pardon, je ne voulais pas t'interrompre, mais... Alexandra, c'est vous qui décidez. C'est les plus jeunes qui s'occupent de ça. Non, mais c'est très important moi, ce qu'il a dit, Thomas. Je suis un peu enfermé dans mes domaines de prédilection, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis revenue au format papier pour un autre grand quotidien que je ne citerai pas ici ce soir, parce que justement j'avais ce sentiment d'être complètement détachée, notamment de l'actualité internationale. Et là, ce grand quotidien que je ne citerai pas ce soir commence par l'actualité internationale, et en fait j'arrive à remettre un pied dedans, alors qu'en réalité, si je restais sur juste l'application ou le format en ligne, j'avais l'impression d'être enfermée dans le politique et les sujets de société. Souvent, c'est surtout l'actu brûlante qui nous pousse. Et donc, c'est ce qui, s'il vient d'y avoir une attaque de drone sur Moscou, on fait remonter le papier le plus haut sur le site, parce que c'est ça que les gens viennent chercher sur le site d'Libé, l'information la plus chaude. Donc, on refait monter des papiers quand on voit que l'actu reprend. Sur l'avenir de Libé, ce que tu demandais tout à l'heure, ce qui est intéressant, et moi je l'ai vécu, parce que quand même j'y suis depuis 1994, et on en a vécu des crises dingues. Je ne sais pas, vous les avez peut-être pas vécues, ces crises connues, mais moi je nous ai vus mourir
Mais vraiment, hein. L'histoire a été mouvementée. Il y a eu des moments où Libé était au bord de déposer le bilan, aller au tribunal de commerce. Et chaque fois, il y a une espèce de... Alors, c'est entre le... Moi, je ne crois pas trop au miracle, mais il se passe quelque chose qui fait que Libé a toujours réussi à surmonter ses crises, les crises. Et je trouve que c'est ça qui est génial à Libé. C'est qu'au dernier moment, quand on croit que tout est foutu, ben non, il y a quelque chose qui se passe. Et Libé repart. Et ça, c'est formidable. Et maintenant, ça va mieux ? Ah ben là, maintenant, on est... Non. Là, on est dans des nouveaux bureaux qui nous ressemblent bien, parce qu'on était dans des bureaux assez froids. En face du ministère de la Défense, vous n'allez pas trop bien. Juste en face du ministère de la Défense. Oui, dans un quartier de droite, en plus. Donc voilà, là, on est dans le 13e, on est tout seul dans nos bureaux. Et puis, il y a une énergie, une nouvelle énergie qui est là. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a embauché beaucoup, beaucoup de jeunes. Et donc, ça brasse, ça débat, ça s'engueule, et c'est super. On parlait de conflit de génération, enfin, tout à l'heure, vous en parliez. Vous êtes en cinquième position des plus gros lives français sur Twitch, donc joli. Ça marche bien. Vous parliez des conflits de génération. Ouais. Vas-y Léa, vas-y. Pardon. Vous parliez des conflits de génération plus tôt sur la séquence précédente. Est-ce que, là tu viens de dire que vous employez énormément de jeunes, est-ce que vous, par exemple, qui avez une expérience un peu plus ancienne du métier de journaliste, vous sentez... C'est joliment dit. Vous sentez qu'il y a peut-être des conflits sur la façon de faire du journalisme entre les jeunes et vous ? La façon de faire, non, je crois pas. Non. Les non, approches, vraiment. C'est... Non, je crois que tous ceux qui sont à Libé ont la même conception, la même envie de faire du journalisme. Ça, là-dessus, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. Le débat, il est plus sur les opinions. Parce qu'évidemment, la jeune génération est beaucoup plus radicale que la plus ancienne. Et donc, parfois on peut... Sur certains sujets, oui, c'est vrai. Usul. Ah, oui. Moi, j'ai une question, parce que moi, ce que j'aime bien, j'ai été du coup amené maintenant à côtoyer pas mal de journalistes. Et ce que j'aime bien chez les journalistes... Des vrais. Hein ? Des vrais. Oui, pas de ceux du jeu vidéo ou je sais pas quoi. Et ce que j'aime bien, moi, c'est la culture des vieux journalistes. Voilà, de connaître, machin. Et ça fait plaisir. Ah, mais c'est moi, un bon journaliste, c'est quand même... qui sait te dire ouais en 83 machin, mais même en presse locale quelqu'un qui sait, moi à Lyon je vois des journalistes qui me disent ah bah c'était pas comme ça en 95 parce qu'il y avait truc, puis il y a eu le procès machin, et cette mémoire emmagasinée qui va faire les papiers d'après. Et donc comment on fait la transmission, est-ce qu'il y a des cadres préfus pour que cette transmission se fasse entre cette nouvelle génération qui a encore pas mal à apprendre et cette vieille génération sûre de son savoir qui parfois peut être aussi arrogante sur ce qu'elle va penser de la société telle qu'elle va aujourd'hui? Sûre de son savoir, en tout cas moi je me suis jamais sentie sûre de mon savoir. Mais moi je trouve qu'on apprend. Alors ça peut paraître bateau ce que je vais dire, mais moi j'ai l'impression d'apprendre autant des jeunes qui sont là qu'eux apprennent de moi. C'est-à-dire, c'est ça qui est génial. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure par l'égalité, la solidarité, qui sont des valeurs de gauche. Je crois qu'à Libé, vraiment, on le pratique tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des vrais échanges et un jeune peut engueuler un plus âgé en comité de rédaction en disant que c'est vraiment des conneries ce qu'il a écrit dans le journal ce matin, et ça pose aucun problème. Et c'est en permanence ça, ce jeu. Et c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette. Moi, j'adore, par exemple, tout à l'heure, je discutais avec Nicolas Massol, qui est un des jeunes journalistes qui suit l'extrême droite. J'ai beaucoup suivi l'extrême droite quand j'étais jeune, dans les années 80-90. Il avait lu des livres que j'ai lus, il avait lu même des livres que j'ai écrits, et puis il connaît plein de trucs que je ne connais pas, et parce que lui, il fouine comme je fouinais à l'époque, je me suis reconnu là-dedans, et il m'apprend plein de trucs, et c'est vachement agréable. Et on transmet comme ça. Et moi, j'ai reçu aussi de vieux journalistes, alors que je trouvais à la fois cultivés, puis un peu ringards, qui écrivaient un peu, voilà, j'aimais pas écrire comme eux, et lui, il doit penser la même chose. Mais il y a un sujet sur lequel, enfin que je trouve vachement intéressant, moi, c'est le rapport garçon-fille, le rapport du genre et à l'information ou au métier. Non. Cette façon que cette jeunesse a d'interroger la domination masculine, ces choses-là, qui n'étaient pas dans la culture de quand on a commencé le journalisme, nous, Alexandra et moi,
Et il y avait aussi dans cette hiérarchie journalistique quelque chose d'assez masculin, ouais, très. Le vieux rédac chef qui picolait, il y avait toute une imagerie comme ça. Puis les femmes elles rentraient plus tôt, et puis c'est les mecs qui restaient un petit peu pour boire des coups parce bouclaient, que c'était leur femme qui s'occupait des gamins de toute façon. Dans quelques minutes, on va recevoir notre invité politique ce soir pour cette émission spéciale. C'est François Hollande, l'ancien président de la République, qui a accepté notre invitation. Pas vrai. À Libé et à Baxit, mais je te jure que si. François Hollande qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation. C'est pas tous les jours qu'on interviewe un ancien président de la République, même vous à Libé, c'est pas tout le temps. Qu'est-ce qu'on en attend de cette interview, de cet échange qu'on va avoir avec François Hollande, Alexandra? Beaucoup de choses, parce que le François Hollande, il a plein de défauts, mais il a aussi plein de qualités, et notamment celle d'être assez spontané, de dire les choses. Ouais. Et enfin, on va voir s'il l'est. Et je pense que vu, on a passé la journée à débattre de la gauche et de l'état catastrophique dans lequel se trouve la gauche aujourd'hui, qui est divisée, et on n'a jamais eu autant besoin de la gauche pour contrer la montée de l'extrême droite. Ça va être très intéressant de l'interroger justement sur l'état de la gauche, qui en est responsable, pourquoi, et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour recoller les morceaux épars. Voilà, il y a aussi plein de choses. Il y a aussi la question du conflit de génération qu'on voulait aborder avec François Hollande, parce qu'il avait fait la priorité jeunesse. C'est ce qui lui avait permis d'ailleurs de remporter la primaire qu'il a catapultée vers l'Élysée en 2011. L'idée du conflit de génération, sommes-nous face à un conflit de génération? Est-ce qu'il y a des générations irréconciliables, pour filer la métaphore avec les gauches irréconciliables? Ça fait partie des sujets qu'on voudrait aborder avec lui. Usul. Moi, c'est pas tant sur la gauche. C'est vrai que c'est pas vers lui que je vais me tourner d'emblée pour me dire comment on reconstruit la gauche. Par contre, en tant qu'homme d'État, moi, ça m'intéresse de savoir où on va comme nation, là, où on va comme État. Qu'est-ce qui fait qu'on fait encore un truc commun, là, qu'on est encore ensemble? Macron qui a lâché comme ça le mot de décivilisation. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu d'anomie? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ces services publics, voilà, qui nous maintenaient ensemble, de structures communes, de choses qui faisaient qu'on faisait nation, une éducation nationale, des choses, un hôpital, plein de trucs qui ont progressivement un petit peu disparu, en tout cas comme horizon de commune. Est-ce qu'on en a encore un horizon commun, et qu'est-ce qu'il va falloir reconstruire en premier si on veut reconstruire un pays qui tient à peu près debout? Qui sombre pas dans ni les attentats d'extrême droite, ni quoi que ce soit, tu vois, voilà. Et ça va faire partie des questions, effectivement, qu'on va aborder avec lui. Mais avant ça, chers amis, je vous propose qu'on retrouve la chronique que vous attendez toutes et tous. C'est parti pour la vie d'Adèle. Pardon, non, c'est bon. J'avais un peu de préparation, pardon. Salut Adèle. Salut. Comment ça va? Ça va super bien, mais je suis très impressionnée. Hein. Vous êtes nombreux et beaux. Je suis éditée chez Fayot aussi. Non, je suis impressionnée parce que moi, j'ai planté un oral dans cet amphithéâtre. Donc j'avais... Voilà. Ça fait plaisir de te revenir. Ça va aller. Je sais pas, on verra. Moi, j'ai raté le début d'une émission dans cet amphithéâtre. On te textait désespérément. Où es-tu? J'étais avec Manès Nadel. Voilà. Ah. Bon. Adèle. 50 ans de libération, mais quelle idée de génie de les fêter de la sorte, quoi. Organiser des débats d'idées, rassembler la presse et les politiques. Enfin, je veux dire, on n'avait pas vu ça depuis le grand débat de valeurs actuelles, quoi. Sauf que la différence, c'est qu'aujourd'hui, Génération Identitaire ne fait pas partie du comité d'organisation. C'est un peu décevant, ah, évidemment. Merde. Ouais. Et c'était un scoop Libé qui révélait que le traiteur du grand débat des valeurs était un ancien de GI, pour les intimes. Scoop qui n'avait pas été du goût, je tente des jeux de mots culinaires, du directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune, qui avait fustigé Libé pour avoir dénoncé leur sandwich identitaire. Mais du coup, pour aujourd'hui, si on n'est pas sur un projet gastro-facho, on a quoi au menu de ce soir? Enfin, je sais pas, on part sur des petites poêlées wok, sur un lit de sauce d'em. Pour être petite creuse à Libération. J'ai essayé de... Mais ça prend du temps, en effet, hein, comme disait Alexandra. Alors, après, évidemment, Libé n'a rien à voir avec Valeurs Actuelles, hein, puisque vous n'avez pas invité Hugo Clément, qui, en parlant à l'extrême droite, fait monter l'extrême droite, mais vous avez choisi Jean Massier, qui, en ne parlant pas à l'extrême droite...
Ah oui, fait monter l'extrême droite. Et là, il y a du monde derrière Wingo. Il y avait moins de monde pour Jean Massiège. C'est peut-être parce qu'il fait monter le RN, hein, à mon avis. C'est... Oh là, qu'est-ce que tu racontes, Adrien? Bah, c'est ce qu'on lui reproche. Hein, ah bon enfoiré. Zera glissa tranquille au détour d'une petite partie de Wolfgang pendant. Tu l'avais pas entendu pendant la Zilane pendant ce temps-là, mais ouais, voilà. D'accord, ok. Ah bah super, merci Zera, super, j'adore. Exemple de journaliste de jeux vidéo, dont parlait Usul. Alors, c'est vrai qu'en 50 ans, le paysage médiatique a vachement changé et vous êtes sur Twitch. Mais ce n'est pas tellement étonnant, en fait, que l'IB soit sur Twitch parce que vous avez toujours su rester à la page, je te demande, de journaliste. Et même, vous placez à l'avant-poste des révolutions technologiques, comme avec le Minitel. Je pense que c'est une petite image. Alors, j'ai une citation de Serge Julie, mais ce monsieur n'est pas Serge Julie, mais Philippe Marty, l'inventeur du Minitel. Mais Serge Julie, cofondateur de Libé, nous a expliqué dans l'édition de Libé des 50 ans que quand le Minitel est arrivé, vous avez plongé dedans et ça marchait tellement bien que France Télécom l'avait envoyé au Texas pour expliquer aux Américains que c'était l'avenir. Je cite. 36-15, on serait pas un petit peu chauvin? Alors, on le sait pas, mais les Français avaient créé Internet bien avant les Américains. Et on le sait pas non plus, mais Maître Gims fait des piges chez Libé. Bon, on rigole aujourd'hui, mais à l'époque, c'est vrai hein, que c'était une véritable révolution, le Minitel. Donc, vous avez du pif chez Libé. Mais vous avez aussi littéralement du nez, puisque vous avez été les premiers à lancer le journal olfactif. Véridique, dans les années 80, idée révolutionnaire. Waouh, si on faisait sentir l'actualité au lecteur, mais avec le nez. Grâce à une fragrance liée aux nouvelles du jour, que les kiosquiers devaient pchiter sur les journaux. Ah c'est ouais vraiment. Ah ouais, ouais hmm. Oui, c'est vrai. C'est genre vrai. Élection. C'était dans ce sublime ouvrage que vous pouvez trouver. Et absolument. Et donc, il devait pchiter. Bah, je vais vous faire une. Mais ça sentait quoi? Ah bah non, oui, mais oui, bah oui. Bah, je sais pas, genre l'élection. Le journal olfactif. C'est pour ça, attention, on a des propres. Hein. Le renflement brun. Oh là là là. Bah ouais. Attention, pas. Bah ça va, ça va. Bah 2002, ça sent la merde, hein, de toute façon. Non, non, j'ai un assistance. Pardon, excusez-moi, c'était. C'est comme un quotidien. Une là, on de a mai, des... mai 1980, visite du pape à Paris, le journal sentait l'encens. Et comme ils le disent lui-même, pour que le journal soit en odeur de sainteté. Voilà, ça a été piqué. Toujours dans les jeux de mots, Libé. Là, je crois que c'était l'encre qui devait sentir l'encens. Bref, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Donc, enfin, mai 1981, je crois que c'est le 21 mai. Et ben, c'est ici, pardon. Ça a été vachement répété. Hein. L'arrivée de Mitterrand, son investiture. Ça sent la rose. Exactement, ça a été. Ça sentait la rose ce jour-là? L'idée oui. Sentait la rose. À Paris. Ah. À Paris. À Paris. Parce qu'ils n'ont pas réussi à le faire dans tous les kiosques. En même temps, est-ce qu'il y a beaucoup de lecteurs de Libé en dehors de Paris? Oui, c'est une blague. Oh, là, c'est bas, c'est bas. C'est faux. Non, non, ils ont pchité les piles de journaux. Et. Du coup, bah, merci de m'avoir niqué ma vanne. Mais moi, j'étais un peu déçue qu'ils aient pas décidé de faire une sur les pages salées du livre de Bruno Le Maire, parce que ben. Bah... Faut que vous passiez tous les deux à une autre vanne aussi. Hein. Mais non, c'est marrant. Non, c'est encore d'actu. Hein. C'est, oh, c'est encore, semaines, non, là, c'est encore d'actu. On a le droit. Mais ça reste un parfum compliqué à. Asperger dans les kiosques. Mais nous, on est joueurs, hein, donc on a fait un prototype. Je vous fais la démonstration. Oh là là. On a créé ça. Hein. Je ne vous dis pas ce qu'il y a dedans. Je vous laisse imaginer. Qui le veut? T'es sérieux? Ça sent vraiment? Non, ça sent pas le nunu. D'accord, ok. Qui? Non, personne. Merci, Adé. Non, vraiment, non, merci du fond du cœur. Enfin, non, mais... enfin, oui. Bref. En tout cas, ça sent un nunu très, très propre. Hein. Voilà, Bon, bref. On était très contents, on avait beaucoup rigolé avec la prod. Bref. On est dans l'amphi, on est dans l'amphi Richelieu de la Qu'on soirée, embrasse hein. D'ailleurs, Richelieu. Hein. Ouais, ouais, qu'on embrasse. Ah oui. Après l'odorat, le goût, apparemment pas le mien, pas de très bon goût, mais Libé n'a reculé devant rien pour fidéliser ses lecteurs. boissons et produits régionaux. Ah. Ouais, c'était une offre, ça s'appelait la Libé Box. Mais je vois que. Mmh. Alexandra. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai redécouvert ça il n'y a pas longtemps et j'en avais aucun bah souvenir. Du vin et du saucisson. Vous en avez encore à la rédac pour les vendredis on soir en a cherché, on a cherché. Bah, j'imagine. Si on en avait encore. Non. C'était vin, saucisson. C'était vin et produits régionaux. Donc, du vin, du saucisson pour vendre des abonnements. C'est ça l'esprit Libé. Quoi. C'est... Et d'ailleurs, je pense que Jean-Paul Sartre lui-même disait, cofondateur de Libé, l'enfer, c'est quand tu as des opinions, mais que tu n'as plus assez de jaja et de boostify. Je crois que c'est. Ah, c'est plus le communisme Fabien Roussel, là, pour le coup.
c'est pas faux. Qui est abonné à la Libé Box, évidemment. Oui, bien sûr. Qui n'existe plus, malheureusement. Mais du coup, ça nous a inspiré chez Backseat. On a aimé l'idée et on a décidé de mettre en place une Backseat Box. La Backstreet Box. T'es sérieux? Ta-na-na, la Backseat Box. Là, je veux bien une assistante. Fais gaffe, Adèle, parce qu'on est hypé par le projet. Non, mais vas-y. Vraiment. Vas-y. Non, ça me fait un peu peur. Bon, alors, dans la Backseat Box, nous avons... Ça se mange? Un règlement de l'Assemblée nationale. Dédicacé. Dédicacé par Jean Massier. Qui n'a pas dû comprendre pourquoi on lui demandait de dédicacer. Je ne comprenais pas du tout pourquoi vous m'avez demandé de dédicacer. Tu n'étais pas au courant, évidemment. Mais il y a vraiment quelqu'un tout à l'heure qui est venu me demander de lui dédicacer son édition du règlement. C'est incroyable. Très bizarre. Ça ne m'étonne pas vraiment, on le sait. Ouais. Cette petite casquette SNU, c'est celle portée par Léa. C'est ouais, celle-là ouais. Même, c'était la tienne, hein, vraiment. Tu voilà. Peux la remettre si tu veux. Ah oui. Voilà. Ouais. C'est dommage de c'était la vraie. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, il y avait une émission spéciale SNU oui. Et tout le monde avait porté cette sublime casquette. Très beau. Non, je pense que là, il faut des. Ouais, ouais. Bon, non. Je continue. Un t-shirt Los Republicanos dédicacé. Allez. Et last but not least. Alors, on va pas très bien la voir. C'est quoi? C'est une petite figurine d'Usul. Qui représente l'Usul. Mais oui. Alors, attends, est-ce qu'on voit? Ouais, ouais, on la voit bien. Il zoome au max. Elle est toute petite, mais alors, l'attention au détail est complètement dingue. Je pense que je vais la faire passer à Usul. Regarde, on a une... Tiens, bon, on l'a fait passer à Usul. C'est un avantage, regarde. Non, non, c'est assez ouf. Alors, je tiens à dire quand même que ça a été réalisé par Gabriel, modo de la chaîne, qui a oui, un compte. Oh, exactement. Ouais. Et il foule au pied, il foule au pied plein de une de Libération. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pas le règlement, qui veut le règlement de la soirée. Voilà, pain à la main. Et vous pouvez voir, il tient l'édition des 50 ans de Libé à la main. Il y a magnifique. Plein d'éditions de Libé. Ah ouais, ouais. Il y a même le livre de Salomé Sacqué à l'arrière. En fait, de ah l'édition ouais. Des 50 ans. On est sur. Non, non, c'est très précis. Je vous invite à aller regarder. Merci, c'est comment c'est une impression 3D puis pain à la main. Mais ça, après, vous pouvez contacter Gabriel sur sa chaîne Instagram @redartisanat. Je suis un petit peu vendeuse du téléphone. Non, mais pour les mariages, c'est pour mettre les petites figurines sur le. Exactement, tu pourrais sur une pièce montée. Sur le gâteau. Tout à fait. Et s'il n'y a que toi sur la pièce montée, c'est un peu. Ouais, non. C'est... Bon, là, on a disséminé la box, mais l'idée, c'est de la vendre aux enchères chez Christie's pour financer les 50 prochaines années de l'émission. Désolé. Donc, on récupérera peut-être la casquette. Mais bon, n'oublions pas ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est quand même le jubilé de Libé. Et on aurait pu faire comme Anne Hidalgo pour vous souhaiter un bon anniversaire et prendre une pause extrêmement naturelle. Bon anniversaire, Libé. mais on a choisi de faire une émission ensemble dans cet amphi mythique et ça, c'est ouf. Et alors, je ne sais pas si les lecteurs de Libé qui sont là, vous connaissez bien Backseat. Parce que même si c'est un petit média sur Internet, on n'est pas peu fiers. On a quand même une grande liste d'invités, pas des moindres. Hein. Rien que depuis janvier, on a commencé avec Philippe Martinez, enfin quand il était encore patron de la CGT. On a aussi eu Laurent Berger, enfin quand il était encore président de la CFDT. Aurélien Pradier aussi, avant qu'il soit viré de la vice-présidente des LR. Alors c'est vrai, non, mais vraiment, c'est vrai que les gens parlent d'une malédiction Backseat. Mais pas du tout. Regardez, on a même d'anciens chroniqueurs qui chopent des jobs de ouf après être allés chez Backseat. Je pense à Chloé Ridel, qui est maintenant porte-parole d'un grand parti. Elle est où d'ailleurs? Elle est au PS. Le Parti Socialiste. Ah ouais, non. Boulette, mauvais exemple. Mais non, il ne faut pas s'affoler, Thomas, Alexandra. Parce que l'année dernière, on a reçu Katniss, Bayou, Taubira. Non, non, mais vous inquiétez pas. Comme le dit la pub pour Renault dans votre édition des 50 ans. Attention, 50 ans que vous roulez à gauche et pas un accident. Wow. Eh ouais. Voilà, on espère que Backseat ne sera pas à la sortie de route. Happy birthday. Ouais. Je sais que vous avez envie de passer à François Hollande, c'est pas tout à fait fini, mais bon, ouais. Bah, du coup, moi, je sais pas vous, mais je m'inquiète un peu pour l'invité politique qui arrive après. Je le c'est vois, qui, il est rappelle-moi un peu inquiet, hein. C'est François Hollande. Ah. Tu vas mais sur Google. Du coup, ça se passe comment, la malédiction, dans ce cas-là?
Enfin, je veux dire, ça annule le sortilège. Je veux dire, on inverse la tendance. Ah ouais. Genre, après ce soir, c'est le retour en grâce. Enfin, Usul va se tourner vers lui. Genre, François Hollande devient l'homme providentiel de la gauche. Enfin, genre, demain, on est tous en mode le changement, c'est dans 4 ans. Quoi. Je sais pas. C'est vrai que François Hollande, il est un peu dans les médias en ce moment. Il a toujours un avis à donner. Il a même fait une entrée fracassante sur TikTok en décembre dernier. Et je crois qu'on a la vidéo. Votre choix, c'est décidé. Je me lance sur TikTok pour vous motiver, pour vous engager. Abonnez-vous. Voilà, pour nous motiver, pour nous engager, mais pas sur le long terme, hein, parce qu'il n'a rien posté depuis le 13 décembre. Presque 6 millions de vues sur cette première vidéo, et puis plus rien. Enfin, genre, il nous ambiance bien et tout, et soudain, tout s'arrête. Quoi. Est-ce qu'on appellerait pas ça un politicus interruptus? Bon, en tout cas, c'est une méthode très efficace pour arrêter la reproduction des adhésions au PS. Voilà, voilà. Je vous laisse en parler avec lui. Allez, je, on va faire ça. Je vous laisse. Merci beaucoup, Adèle. Merci. Merci beaucoup, Adèle. Merci beaucoup. Merci à vous, le public. Avant d'enchaîner avec les suites de l'émission, je tiens à vous rappeler que cette émission elle est rendue possible grâce à Libé aujourd'hui, mais surtout grâce à vous tout le reste de l'année. N'hésitez pas à faire des dons sur point d'exclamation Backseat dans le chat. Allez sur le KissKissBankBank. On a encore besoin de vos dons pour finir l'année en beauté, pour terminer les dernières émissions jusqu'à la fin du mois de juin. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'il y a la Libé Box spéciale Backseat. C'est un abonnement qui vous permet d'avoir 6 mois d'abonnement au journal numérique Backseat pour seulement 10 balles. C'est une offre exceptionnelle pour les 50 ans de Libé. Et figurez-vous qu'on en a tellement vendu que ça s'arrête demain midi. Donc dépêchez-vous si vous ne l'avez pas encore, c'est jusqu'à demain midi pour profiter de cette offre exceptionnelle. Et y a pas de chers amis, hein, de quoi ? Il n'y a pas de saucif là. Il n'y a pas de saucif là. Non, par contre, si tu as des PDF du premier numéro de l'IB de 73 et du spécial 50 ans. Un PDF, c'est l'équivalent d'un NFT, mais que tu peux échanger gratos avec tes potes. Ah ouais, ok. Je t'expliquerai. Chers amis, sans plus tarder, je vous propose qu'après un générique, on se retrouve avec notre invité politique de ce jour exceptionnel. Ce sera l'ancien président de la République, François Hollande. Générique. Extraordinaire, merci à toutes et à tous d'être là, vous êtes extrêmement nombreux à nous suivre pour cette émission exceptionnelle de Backseat spéciale 50 ans de libération. On est en partenariat, on est dans l'amphi Richelieu de la Sorbonne, là où tout a commencé, mai 68 finalement, il y a 55 ans. Je l'ai déjà fait la blague en début d'émission, mais t'étais pas là, tu vois. c'est dommage. Moi j'aime bien le folklore, moi. Chers amis, nous avons l'immense plaisir ce soir d'accueillir notre invité politique dans cette émission. Bonsoir François Hollande. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Je pouvais pas aller sur TikTok, donc je suis allé sur Bah, c'est sympa d'être là. C'est les 50 ans de Libé. François Hollande, vous vous souvenez de la première fois que vous avez lu Libé? Oui, je me souviens, bien sûr. C'était quand? Parce que je suis plus vieux que les autres, donc je me souviens du journal lui-même. C'est-à-dire, il y a 50 ans, j'achetais Libé, qui n'était pas le Libé d'aujourd'hui, qui était un Libé beaucoup plus... À gauche. Révolutionnaire, ouais. À gauche, je ne sais pas, mais révolutionnaire, c'était ça l'idée, qui avait été fondée par la gauche prolétarienne, qui avait envie de, pas simplement de transformer ou de changer, mais de bouleverser le monde. Et ensuite, je me souviens de ce qu'a été l'évolution de Libé, qui a correspondu d'ailleurs à ce qu'a été l'évolution de tous ces mouvements nés de mai 68, qui sont allés jusqu'à soutenir François Mitterrand en 1981. Oui, absolument. Vous êtes ancien président de la République, je le disais. Est-ce qu'on doit vous appeler Monsieur le Président pendant toute l'interview? Non, vous faites exactement. Vous dire Monsieur Hollande. D'accord. Monsieur Hollande, je peux répondre à la question. Vous répondre à la Monsieur question. Monsieur Hollande. Oui. D'accord, ok. Bon, bah très bien, très bien. François Hollande, écoutez, un de vos anciens premiers ministres avait parlé de gauche irréconciliable. Il se trouve que toute la journée, ici, dans cet amphi et dans l'amphi des cartes à côté, Libération, en a parlé de ce sujet des gauches irréconciliables. Nous, on avait envie dans cette émission de parler avec vous plutôt des générations. Irréconciliable, point d'interrogation, y a-t-il des générations irréconciliables, y a-t-il un conflit
deux générations, en prenant l'exemple de sujets d'actualité. Je pense par exemple à la réforme des retraites. On a vu la récente réforme des retraites engagée par le gouvernement d'Elisabeth Borne a donné naissance à une énorme mobilisation, notamment de beaucoup de jeunes. Est-ce que vous avez entendu des jeunes se plaindre des vieux boomers qui auraient eu un système de sécurité sociale protecteur alors que les jeunes, eux, doivent raquer? Vous l'avez entendu, ça, François Hollande? D'abord, je n'ai jamais pensé que les gauches étaient irréconciliables et je ne pense pas davantage que les générations soient irréconciliables. Parce que l'enjeu de la politique, c'est précisément de réunir, malgré les clivages, malgré les contradictions, malgré les conflits, c'est de réunir autant de citoyens que possible pour aller vers un destin commun. Donc si l'on partait de l'idée que les gauches étaient irréconciliables, c'était donc que la gauche ne pourrait jamais accéder aux responsabilités. Et si on était sur l'idée de génération irréconciliable, ça voudrait dire qu'il y aurait pour la jeunesse une fatalité de ne jamais pouvoir elle-même se faire entendre, puisqu'il faut savoir que les plus de 50 ans sont trois fois plus nombreux que les moins de 30 ans. Donc il faut réconcilier les générations, donc, on n'a pas le choix, c'est ce que vous dites. Ouais. Donc il faut réconcilier les générations, ça ne veut pas dire d'effacer les responsabilités. Il y a une responsabilité de la génération des boomers, donc la mienne, une responsabilité qui est de, non pas simplement sur la question des retraites, de la protection sociale, parce que ça c'était quand même des acquis qui devaient se transmettre, qui doivent se transmettre, mais plutôt une responsabilité climatique, c'est-à-dire que cette génération a pensé qu'il y aurait, par le progrès scientifique, par la croissance, une solution pour lutter contre le réchauffement climatique, et elle a pris conscience beaucoup trop tard de ses responsabilités, surtout celles qui n'ont pas été prises. Donc, j'ai entendu beaucoup de la génération, la vôtre, c'est-à-dire de dire, mais pourquoi n'avez-vous pas plutôt cette volonté de mettre en œuvre des politiques différentes de celles que vous avez engagées, peut-être parfois pour de bons motifs, la croissance pour lutter contre le chômage. Ouais. Mais sur ce point-là, je vois que vous êtes pressé. Non, donc, pas particulièrement. sur ce, on a plein de questions à vous poser, vous. Sur ce point-là, il ne faudrait pas non plus ignorer que la génération des boomers, elle a aussi subi des crises, elle a aussi subi des épreuves, elle a aussi été victime du chômage, d'une forme de paupérisation, elle a été victime aussi du sida, elle a été victime de beaucoup d'épreuves. Sauf que pour la génération d'aujourd'hui, elle n'est pas soumise à des crises, elle est soumise à un changement complet de modèle, parce qu'il y a un sentiment, une anxiété, qui est que le monde court à sa perte, ce qui quand même suscite un engagement beaucoup plus profond. N'hésitez pas à rapprocher votre micro pour qu'on vous entende bien, y compris sur Internet, mais on vous entend bien jusqu'à présent. Usul, il y a aussi peut-être une question de conflit de génération sur le maintien de l'ordre, non, si vous voulez en parler. Alors moi, je pensais par exemple à toute une génération qui est rentrée dans le militantisme au moment de la loi travail et qui s'est pris le maintien de l'ordre à ce moment-là. Depuis, ça a été évidemment de pire en pire. Et il y a eu un rapport à la police qui est clairement, on scandait, tout le monde déteste la police à l'époque, encore plus maintenant. Et il y a eu un rapport, vous-même, vous avez essayé, il y a eu l'affaire Théo, vous êtes allé voir Théo, et vous êtes heurté aux réactions des syndicats de police. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les syndicats de police sont de plus en plus forts, enfin, vous êtes heurté, ça l'a fait, mais ils ont réagi, c'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont une main encore plus ferme sur ce qui peut se décider ou non place Beauvau, d'où notamment depuis l'éviction de Christophe Castaner. Ça aussi, ça contribue à créer une fracture aussi entre toute une génération et aussi certains groupes sociaux qui ont l'impression que la police est contre eux, donc que l'État est contre eux. Et comment on fait société avec ça? Comment on reconstruit un lien? Et qu'est-ce qu'on fait aussi des syndicats de police qui, à l'occasion, peuvent peut-être un petit peu y aller un peu fort quand ils manifestent devant l'Assemblée nationale, etc.? Alors, comme président, au moment où il y a eu les attentats, et notamment ceux de janvier 2015, j'ai été dans les rues de Paris, défilé avec des chefs d'État et de gouvernement, ce qui est assez exceptionnel, des défilés de chefs d'État et de gouvernement. Il y a des défilés contre les chefs d'État et de gouvernement, mais des défilés de chefs d'État et de gouvernement, c'est assez rare. Et là, les policiers étaient applaudis. Bien sûr. Et donc, c'était un contexte. Oui, c'était un contexte, mais il y avait donc une confiance. Mais on ne va pas attendre qu'il y ait des attentats pour créer de l'unité. Non, mais comment on fait en temps ordinaire? Non, mais c'était déjà important que dans cette période-là, bien sûr, il y ait une confiance, parce qu'elle était nécessaire par rapport à la police. Ensuite, vous avez évoqué des événements, des épreuves, des drames, et j'en ai connu dans ma fonction présidentielle, et notamment l'affaire Théo. L'affaire Théo, c'était un jeune qui avait été violé par un
par des policiers au moment d'un contrôle. Et je suis allé, il n'y avait pas de doute sur la responsabilité. Donc je suis allé auprès, au chevet de ce policier, au milieu de sa famille. Non, de Théo, de Théo. Oui. Ça vous avait justement été reproché. Oui, oui, ça m'a été reproché par les policiers. Voilà. Mais j'aurais pu aller au chevet. Je suis allé aussi au chevet de policiers qui ont été, hélas, touchés par les attentats. Mais sa famille était là. Et la famille m'avait dit, vous savez, on n'est pas tout blanc, nous. À tous égards. On n'est pas tout blanc. Mais nous, on n'accepte pas qu'on puisse être violenté comme mon fils l'a été. Mais vous comprenez que les jeunes s'associent plus à Théo. Donc c'était très important que le président de la République, à l'époque, puisse par une action qui n'était pas simplement symbolique, qui était aussi politique, bien sûr, auprès de ce jeune. Bien sûr. Ensuite, il y a des rapports qui se sont dégradés avec la police. Je ne veux pas qu'on mette en cause la police en tant que telle. C'est aussi ceux qui commandent la police. C'est ceux qui... Mais c'est pour ça que je parlais des syndicats aussi. Et les syndicats qui, au ministère de l'Intérieur, sont souvent co-gérants. Voilà. Ouais. Je crois que c'est ça. Voilà. On l'accepterait d'ailleurs... nulle part ailleurs. Donc, au ministère de l'Agriculture aussi, peut-être. Ou à l'éducation nationale. L'éducation nationale. Mais quelquefois, ça pourrait être pour de bons motifs. Mais là, il y a une espèce de protection de l'institution. Il est clair que la police mérite d'être respectée quand elle fait son travail et mérite d'être mise en cause, pour certains d'entre eux, lorsqu'il y a des attaques qui sont dans des manifestations inacceptables. Il y a une question de génération qui est intéressante, parce que mai 68, qui a donné naissance à Libération par son mouvement, justement, de libération d'une jeunesse, d'une contre-culture, c'était aussi dans un rapport à l'autorité. On a l'impression... Alors peut-être que c'est un défaut d'ailleurs de la jeunesse, on a l'impression que les boomers, ils ont pu profiter de cette liberté, y compris dans la remise en cause de l'ordre établi, là où des jeunes d'aujourd'hui ont la trouille d'aller aux manifestations, ont la trouille d'essayer, ont la trouille de... Vous pouvez comprendre ce conflit de génération-là? Alors, jeter des pavés pas, sans être fiché S. Oui, voilà. Il y avait un bordel acceptable. Oui, un bordel oui c'est vrai. Il y avait vrai. Une petite table. Oui, mais on idéalise toujours le passé. Ah sûrement, justement, je vous pose la question. Moi, j'étais très jeune en mai 68, mais enfin, il ne faut pas penser que mai 68, ça a été un moment d'embrassade avec les forces de police ou de fusion entre les manifestants et les forces de l'ordre. Il y a eu, hélas, des blessés, il y a eu, vous avez vu ces images, il y a eu des pavés qui ont été lancés, il y a eu des répressions policières assez importantes, mais il y avait un préfet de police, dont beaucoup ont salué son rôle, qui s'appelait Maurice Grimaud, qui a fait en sorte... qu'il n'y ait pas de morts, même s'il y en a sans doute eu, mais des morts pendant les événements de 68. Ensuite, on a connu d'autres manifestations où ça a dégénéré. Donc, il ne faut pas croire que c'est récent. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une défiance plus grande à l'égard de la police. Absolument. Même si, en 68, on appelait les CRS-SS. Il faut quand même se souvenir aussi. Il y a aussi un maintien de l'ordre qui s'est militarisé. Mais alors, robocopisation, il y a ça, une robocopisation de la police, quand même. Oui, et il y a eu des moyens dans le maintien de l'ordre qui n'existaient pas à cette époque. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de surprotection et d'armes qui peuvent être parfois agressives. Il y a un sujet aussi qui a été abordé aujourd'hui au cours de la journée pour les 50 ans de Libé, c'est la question de la radicalité. La radicalité à gauche notamment. Toi, Thomas, tu voulais nous parler de la différence entre radicalité et extrémisme, qui n'est pas tout à fait la même chose. Oui, parce qu'on confond souvent les deux choses, et notamment s'agissant de l'environnement, puisqu'on parle de génération, la jeunesse... À votre époque, un petit peu à mon époque, parce que moi aussi je fais partie des vieux. Soyez pas désagréable. Non. Parlez pour vous. Un tout petit peu plus jeune. Je suis un tout petit peu plus jeune que vous, mais à peine. Donc Libération a des fiches, c'est ça que je comprends. Je suis moi-même fiché. Fiché vieux. Non, mais ce qu'on appelait radicaux à l'époque, les jeunes radicaux dans les années 60, 70, même 80, voulaient faire la révolution. La jeunesse, elle était séparée entre ceux qui voulaient faire du fric et ceux qui voulaient faire la révolution, des révolutions violentes. Ils étaient révolutionnaires. Vous avez parlé de Libération en 1973. C'était un journal qui voulait vraiment renverser le pouvoir, renverser l'État, renverser les institutions. Et aujourd'hui, quand on parle de radicaux de la jeunesse, les jeunes d'aujourd'hui, quand on les taxe de radicaux, ils demandent simplement qu'on écoute les scientifiques. En fait, ils sont beaucoup plus raisonnables. Ils demandent qu'on ait une action radicale, mais ils ne sont pas des extrémistes. Est-ce que vous appréhendez les choses comme ça, et est-ce que vous faites partie de ceux qui déploraient que les jeunes aujourd'hui soient radicaux
et soit dans la désobéissance civile, casse au maximum un abribus ou, voilà, François Hollande, ou crève une vieille bassine, pas une méga bassine par exemple. Non, mais qu'il y ait un devoir même de radicalité quand il y a une planète qui n'est pas maîtrisée, qui se réchauffe alors même qu'il y a une inaction de beaucoup d'États, je comprends cette radicalité. Elle est même nécessaire, cette radicalité. Elle est la radicalité de la conscience. Elle est la radicalité de l'engagement. Après, les formes de l'action radicale peuvent être plus ou moins pacifiques ou violentes. Mais je ne condamne pas les occupations lorsqu'il y a le sentiment que si elles ne se font pas, eh bien, un projet peut se réaliser alors qu'il est contraire aux objectifs, par exemple, de l'accord de Paris sur les engagements climatiques. Notre-Dame-des-Landes, finalement, c'était une radicalité à l'époque quand vous étiez président. Vous déploriez que ça soit occupé. Il y avait des forces de l'ordre qui surveillaient. Je le déplorais parce que... Et finalement, ils avaient raison. Je le déplorais parce que j'avais pensé qu'en faisant un référendum sur Notre-Dame-des-Landes, pour consulter la population, j'imaginais que... Si le référendum était positif, c'est-à-dire que l'aéroport était considéré comme d'utilité publique, eh bien, ceux qui manifestaient ne le feraient pas. Non, ça n'a pas suffi. C'est-à-dire que ce n'est pas une radicalité qui va vers l'expression du suffrage, une radicalité qui est celle d'abord une radicalité de conscience, qui ne se place pas dans le champ démocratique. Alors après, il faut aussi quand même faire attention quand il y a des détériorations d'œuvres d'art, c'est arrivé très peu souvent, quand il y a une mise en cause de ce qui a pu être un moment un équipement, il faut quand même faire attention, parce que c'est toujours la même chose. Comment on réconcilie? Comment on fait qu'un mouvement radical puisse emporter à la fin une adhésion majoritaire? C'est ça le sens de la politique. C'est-à-dire qu'on peut être radical dans l'expression d'un mouvement, dans la volonté de faire changer les choses et faire en sorte que ça débouche politiquement. Je vais prendre juste un exemple. Allez-y. Il y a eu, si vous vous rappelez, du Larzac. Le Larzac, c'était une occupation faite par les paysans contre l'implantation d'une base militaire. D'une base militaire. Ouais. Donc on est dans les années 70 et il y a un mouvement qui est très radical. Et grande manifestation, un peu comme à Notre-Dame-des-Landes ou ailleurs, grande manifestation, des dizaines de milliers de personnes. François Mitterrand, à l'époque premier secrétaire du Parti Socialiste, il venait d'être candidat à la présidentielle, il avait été battu en 1974, il se dit, tiens, je vais aller à cette grande manifestation. Il y est reçu avec des huées, on lui demande de sortir, il y a des milliers de personnes qui l'empêchent d'accéder, les responsables du mouvement disent, bon, il faut l'évacuer, on l'évacue. Et quelques années plus tard, 1981, c'est l'élection de François Mitterrand qui fait qu'il n'y a pas de Larzac. Donc c'est toujours la même chose. Et on peut avoir un mouvement, un moment minoritaire, on peut avoir un mouvement qui va être dans des formes radicales, mais il faut qu'au bout du compte, il y ait une traduction politique. Il faut qu'il y ait un vote, il faut qu'il y ait un changement qui s'opère par les voies démocratiques. Mais d'ailleurs, Alexandra, tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, mais tout à l'heure, Laurent Berger, dans ce même amphithéâtre, Laurent Berger, ancien patron de la CFDT, disait qu'il fallait être radical aujourd'hui. Patron de la CFDT, encore pendant quelques semaines. Ah pardon, autant pour moi. Pendant quelques semaines, Laurent. Encore. Et c'est vrai, ça m'a marqué, parce que Laurent Berger, c'est donc patron d'un syndicat réformiste. On se souvient qu'il était plutôt OK pour le projet de réforme des retraites du premier mandat d'Emmanuel Macron, la réforme à points. Et là, il s'est soulevé contre ce projet de réforme des retraites. Et là, au débat que j'animais sur le thème du travail, il a conclu en disant qu'il fallait plus de radicalité. Et ça m'a marqué parce que je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, François Ruffin a dit qu'il voulait qu'on le considère davantage comme un sociodémocrate. Donc, les lignes se brouillent totalement quand on entend un Laurent Berger dire prenez la radicalité et un Ruffin prenez la social-démocratie. Vous êtes plus retour Laurent Berger ou ben, je crois davantage à Laurent Berger qu'à Ruffin sur cette question-là. Pourquoi? Parce que en tant que syndicaliste, il est dans son rôle d'être radical sur un certain nombre de revendications, y compris de pouvoir dans l'entreprise, y compris de ne pas accepter la réforme des retraites et d'en proposer une autre. Il est radical parce que c'est son devoir de l'être pour garder la confiance du mouvement social. Mais il sait bien qu'à la fin, il faut qu'il négocie. Et ce qui lui a coûté à Laurent Berger, c'est de jamais pouvoir négocier, de ne pas être invité à la table, d'être d'une certaine façon écarté
lui a pu penser mépriser. C'est ça le problème. C'est que l'action collective, elle doit servir à un moment à un débouché. Pour Laurent Berger, le débouché n'est pas politique. C'est pas de gagner les élections. Il est syndicaliste. Son débouché, c'est d'être dans une négociation qui va offrir de nouveaux droits aux travailleurs. Et alors, quant à Ruffin, il se dit social-démocrate, bienvenue au club, mais je ne crois pas que ce soit là, c'est plus une posture qu'il essaye de donner, mais je peux la comprendre, parce qu'il a finalement intégré que si la gauche devait être majoritaire un jour, ce n'est pas simplement en étant sur une posture de radicalité. Il faut aller chercher tous les électeurs qui ont besoin d'avoir confiance, d'avoir un programme qui soit à la fois de changement, mais crédible. Donc il est parfaitement conscient, et je le rappelle, pour gagner l'élection présidentielle, il ne faut pas faire 25% ou 30%, il faut faire un peu plus de 50%. Au second tour. Hein ? Au second tour, c'est un contexte particulier. Oui, parce que pour être président, il faut être généralement au second tour. C'est rare de devenir président sans être passé par le second tour. Mais certains le croient, c'est pour ça qu'ils se présentent. Mais le second tour, pour arriver à avoir plus de 50%, ben il faut aller chercher, Mitterrand disait, il avait raison, c'est avec des civils qu'on fait des militaires, c'est quelquefois avec des gens de droite qu'on fait des électeurs de gauche, parce qu'il faut aller les chercher. Pour l'instant, c'est pas nous qui allons les chercher. Hein. Alors, il y a aussi la question, oui, c'est vrai, mais il y a aussi la question, du coup, de la sociologie des personnes qui nous représentent. Léa, tu avais une question là-dessus. Oui, effectivement, alors, on constate quand même, depuis un certain nombre d'années, et les choses ne s'améliorent malheureusement pas, qu'il y a un décalage sociologique assez important entre la population et les personnes qui nous représentent, les responsables politiques. On constate aussi, vous avez d'ailleurs dit quelque chose d'intéressant, vous avez dit, la radicalité, très bien, mais à condition qu'elle se transforme dans un vote. On a l'impression que finalement, aujourd'hui en France, et la façon dont sont structurées nos institutions dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Ve République, le graal absolu, c'est le vote. Mais on se rend compte qu'il y a énormément d'abstention, que les gens se désintéressent de la politique partisane et de la politique politicienne institutionnelle, mais que par ailleurs, les gens ont un comportement politique très, très affirmé, très ancré. Moi, je vois des jeunes avec qui je parle au quotidien, qui sont contre les inégalités, qui ne prennent pas l'avion, qui se démènent pour faire en sorte vraiment d'avoir une justice sociale, même qui sont cohérents avec le discours qu'ils portent, contrairement à certaines personnalités politiques. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser ce soir, c'est est-ce que vous, lorsque vous étiez président de la République, vous l'avez entendu, ce désir de démocratie qui ne s'exprime pas par le vote, qui ne s'exprime plus par le vote? Et si aujourd'hui, vous étiez président de la République, est-ce que vous envisageriez de changer les institutions et pourquoi pas une nouvelle République? D'abord, heureusement que la démocratie ne se réduit pas au vote. Qu'on peut faire des choix de citoyens autrement que d'aller se rendre au bureau de vote pour choisir le président ou les députés. Et qu'il y a mille façons de faire de la politique sans pour autant aller ou adhérer à une formation politique ou aller voter. Exemple, on fait de la politique quand on porte une revendication, même minoritaire, et qui va demain devenir peut-être une réforme. Exemple, il n'y aurait jamais eu le mariage pour tous s'il n'y avait pas eu des mouvements qui s'étaient créés, qui s'étaient mobilisés pour arriver à ce changement. Même si, au bout du compte, il a bien fallu que je sois élu président de la République pour que ça se fasse. Ouais. Même élu président de la République, s'il n'y avait pas eu ce mouvement-là, ça ne se serait pas fait. De la même manière, aujourd'hui, sur le climat, le fait qu'il y ait des jeunes qui se mettent en mouvement, qui fassent parfois des actions qui peuvent personnellement me heurter, d'une manière, ils alimentent la conscience, ils provoquent des prises de décision qui ne se feraient pas s'ils n'étaient pas dans ce mouvement. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des engagements minoritaires, on peut avoir des combats, mais à un moment, il faut faire ensemble. C'est ça qui va faire la différence. Et si on se réduisait simplement à défendre chacun sa revendication, sans l'unir aux autres, sans penser que ce que défendent les autres peut être aussi intégré dans un programme global, alors, à ce moment-là, la politique serait, à mon avis, perdue. Et les institutions de la 5e République, alors, les institutions, telles qu'elles sont aujourd'hui, pour vous, sont en capacité de prendre en compte ce désir de démocratie? Je pense qu'il faut faire beaucoup plus de démocratie citoyenne, au sens d'associer les Français et même les résidents à un certain nombre de décisions qui les concernent localement. Sur les conventions citoyennes, je trouvais que c'était une formule qui avait pu valoir et qui peut se reproduire. Sur les grands sujets, des débats citoyens peuvent être organisés. On peut faire, c'est pas si simple, plus de référendums. Tout ça, il n'y a pas besoin de changer la Constitution pour y parvenir. C'est la pratique. C'est la pratique. Si on veut changer la Constitution, il y a deux réformes possibles. L'une
qui peut séduire, mais qui, à mon avis, ne serait pas admis par le peuple français, c'est de revenir à un régime parlementaire et de faire en sorte qu'il y ait la proportionnelle et qu'on se retrouve un peu dans des situations comparables à ce qui existe en Europe. Très difficile. Pourquoi ce ne serait pas admis, d'après vous ? Parce que l'élection du président de la République au suffrage universel est tellement installée et donne une vraie liberté aux citoyens. Oui, l'opinion publique ne voudrait pas changer. À tort ou à raison, de pouvoir choisir son dirigeant ou sa dirigeante. Et l'autre système, si on veut que le Parlement joue tout son rôle, c'est le régime présidentiel. C'est-à-dire, on supprime le Premier ministre. Bien dire, c'est à peu près fait, mais ce n'est pas tout à fait fait. C'est-à-dire qu'on reste dans une fiction, on reste dans une espèce de fiction de régime parlementaire. D'ailleurs, on a une de Libération sur le 49-3. Oui, et donc dans un régime... Parce que en termes de pratique du pouvoir, c'est vrai. Et donc, dans un régime présidentiel, il y a plus de 49-3, il n'y a plus de dissolution. Et regardez ce qui se passe aux États-Unis, même si ce n'est pas facile pour Biden. Mais pour faire passer son budget, il est obligé de faire un compromis avec le Congrès américain. Il faut préciser, quand vous dites régime présidentiel, c'est un régime où le président, la tête de l'exécutif, est séparé hermétiquement de l'Assemblée. Parce que souvent, quand on dit régime présidentiel... Non, ce n'est pas un régime présidentialiste. C'est un régime où l'exécutif, comme c'est le président de la République, et le Parlement joue un rôle beaucoup plus important. Et le président ne peut pas dissoudre le Parlement. Ne peut pas dissoudre, ne peut pas utiliser le 49-3, ne peut pas utiliser le vote bloqué, comme on l'a vu encore aujourd'hui, etc. Alors, puisque Libération, c'est aussi de la culture, on va retrouver le musicien, le DJ Toxic Avenger, qui est avec nous en visio, qui va nous... Voilà, qui est à côté de Simone. Salut tous les deux. On est bien installés. Vous êtes super bien installés. Salut Toxic, salut Simone. Salut. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous allez nous interpréter, on va regarder une vidéo de vous qui interprétez du coup le morceau... bien cordialement. Toxique, juste, je crois que toi, tu as une histoire personnelle avec Libération. Je suis un des premiers enfants conçus par Libé, presque. S'il n'y avait pas eu Libé, je n'aurais pas été là, moi. Mon père était photographe à Libé, ma mère bossait à Libé, mon oncle était rédac-chef des sports de Libé. C'est un hasard, du coup, que je sois là ce soir, mais effectivement, c'est plutôt bien. Ben voilà, un bébé Libé qui aujourd'hui donc est musicien. Tu as écrit bien cordialement une chanson de ton dernier album qu'on peut retrouver sur toutes les bonnes plateformes. C'est dans l'ADN de la musique que tu as envie de faire des chansons engagées ? Dans l'ADN de la musique électronique, ça l'était à la base, mais elle s'est un petit peu perdue en chemin. Donc on a essayé de refaire quelque chose d'un peu plus engagé avec Simone, que vous voyez là. Parce que la musique électronique, ça a aussi été des engagements forts dans l'histoire de la musique, notamment sur les droits LGBT, mais plein d'autres choses aussi. Donc on a essayé de remettre un petit peu de ça dans notre musique. Bah carrément, Simone, c'est toi qui prêtes ta voix à la chanson qu'on va entendre dans quelques instants bien cordialement. Tu nous la présentes ? Oui. Ouais, c'est une chanson qui parle de la violence du travail, de la culture de la performance, la culture de la gagne. Peut-être aussi un peu de l'hypocrisie que représente la place du travail dans la vie des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande aux gens d'être à 4000% dans leur travail, puis à 4000% dans leur vie personnelle. Et puis, en fait, il y a une réalité qui est qu'en fait, un travail, c'est surtout un moyen de gagner de l'argent. Et puis, ça parle de ça, en fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Toxique. Merci, Simone. Et on va écouter tout de suite, bien cordialement, et on va réagir ensuite, toujours avec notre invité politique, François Hollande. À tout de suite. Madame, monsieur. Actuellement en recherche d'emploi suite à une année sabbatique, je vous fais part de mon désintérêt total pour le poste de chef de projet à pourvoir dans votre entreprise. Pour moi, c'est plus qu'un rêve de travailler dans une entreprise dont je n'ai jamais entendu parler comme la vôtre. Vous trouverez en pièce jointe mon CV, dans lequel je me suis inventé des expériences, ainsi qu'une année sabbatique qui était en fait une année où j'ai vécu en jogging parce que j'ai fait un burn-out carabiné dont je n'arrive pas à sortir. La raison pour laquelle je candidate est simple. J'arrive en fin de droit et je n'aurai bientôt plus d'argent ni d'appartement. J'ai de nombreux impayés et je me nourris exclusivement de fromage blanc que j'achète chez Aldi. Dans mon appartement mal isolé, je ne mets plus le chauffage parce que c'est trop cher et je squatte le wifi de mes voisins. Particulière si ce n'est celle de travailler le moins possible pour un maximum de blé.
Je souhaite négocier avec vous une dizaine de semaines de congés payés parce que j'estime que travailler, c'est fatigant et moyennement épanouissant. Contrairement à ce que j'ai mis dans mon CV, je ne parle pas un mot d'espagnol. Je sais à peine commander une bière et demander l'addition. La dimension humaine de votre entreprise m'angoisse fortement. En général, quand on met dans une annonce que les qualités humaines sont primordiales, cela signifie que les salaires sont très faibles et le management violent. J'ai hâte de démarrer chaque jour de la semaine en prenant le métro pendant trois quarts d'heure dans le doux parfum de sueur, d'ail et de goudron. Je me languis de découvrir mes nouveaux collègues avec qui je m'efforcerai de parler politique sur des sujets clivants comme le burkini, l'immigration ou le talent relatif d'un... Je vois que vous avez une salle de pause avec un baby-foot. C'est vraiment super pour se détendre entre deux réunions où je ferai semblant d'écouter. Malgré tout, je risque de peu m'en servir étant donné que je souhaite travailler de chez moi dans une tenue décontractée et aux horaires qui m'arrangent. J'ai le profil idéal pour échouer avec panache, gaspiller vos budgets dans le cadre de missions que je ne maîtrise pas, en choisissant des prestataires chers et incompétents. Spécialement venir à votre séminaire d'entreprise. Je me ferai porter pâle parce que je n'ai pas très envie de passer 72 heures avec Bernard de la Compta. Je crois fermement en mon manque de qualité professionnelle et suis certaine que vous apporterez une réponse positive à ma candidature. Bien cordialement. Ils sont très talentueux, les bébés Libé, et c'est Toxic Avenger également qui a composé l'exceptionnelle musique du générique de l'émission Backseat. Voilà, bien cordialement, du dernier album de Toxic Avenger qui parle du travail, qui parle de cette relation complexe au travail. Là aussi, n'y a-t-il pas un conflit de génération dans le rapport au travail, dans ce qu'explique cette chanson, dans ce qu'on entend peut-être de beaucoup de jeunes qui voudraient travailler moins et mieux plutôt que d'aller chercher la croissance, toujours la croissance. Qu'est-ce que vous en pensez, François Hollande? Ah oui, il y a une évolution du rapport au travail, incontestablement. Mais ce n'est pas non plus nouveau, il y a des cycles comme ça.
19e siècle, Lafargue, le gendre de Karl Marx, avait écrit un livre sur le droit à la paresse, ouais. en disant si on veut sortir de l'aliénation, de l'exploitation, si on veut donner finalement du pouvoir à des ouvriers qui sont aujourd'hui tout à fait relégués, bah, il faut leur donner du temps. C'était la revendication du temps. Puis ensuite, même, puisqu'on évoque Libération, ses origines, 68, c'est métro, boulot, dodo qu'on ne veut plus, qu'on ouais. veut plus comme système, qu'on refuse. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Et c'est ça qui est intéressant et qui doit donner peut-être espoir à votre génération. C'est que le rapport de force entre le travail et le capital est en train de se modifier sur un point. C'est-à-dire que lorsque, y compris quand j'étais président, il y avait un chômage de masse élevé, et donc le rapport de force des salariés ou des entrants sur le marché du travail était relativement déséquilibré. Aujourd'hui, les entreprises, et c'est pour ça que le texte est tout à fait pertinent, les entreprises font un effort peut-être tout à fait artificiel pour attirer des jeunes. Venez chez nous, il y a une politique de ressources humaines, il y a des rapports au travail différents, mais il y a une exigence maintenant, pas simplement de salaire, il y a une exigence de sens. Et oui, de sens et de qualité. Et, de qualité de, et, donc, de et là-dessus, les employeurs sont pas forcément sur tous les types d'activités, tous les types de travailleurs, mais sur, en tout cas pour les jeunes générations plutôt qualifiées et formées, il y a un rapport de force qui est aujourd'hui favorable à la jeunesse. Il y a aussi une différence, Malek, en fonction des zones dans lesquelles on habite. Oui, il y a aussi la discrimination, j'ai envie de dire, en fonction de l'adresse. Avant tout, parce que Alexandra tout à l'heure parlait de transparence, je veux l'être aussi, parce que j'ai reçu des petits messages en me disant « Ah, mais tu as déjà rencontré François Hollande ?» Oui, ce n'est pas un secret, on s'est déjà rencontré. Ça a été ma première campagne présidentielle, en plus la vôtre, Monsieur le Président. Et je vous avais déjà parlé des quartiers populaires quand on s'était vus, et c'était ce dont je voulais parler aujourd'hui. Il s'était porté vers le bulletin Hollande massivement en 2012. Emmanuel Macron a cherché à faire de même aussi en parlant de libération des énergies, Startup Nation. Au final, on a vu ce que ça a donné. Alors, des milliers d'emplois Uber Eats, ça très bien, mais rien d'autre. S'il y a eu un rapport Borloo qui a été commandé, ça c'est bien. Sur les banlieues, ouais. Qui a été travaillé avec les acteurs de terrain, mais qui a été enterré aussitôt qu'il est arrivé. Je me suis mis à lister tout à l'heure toutes les problématiques qu'il y a chez moi, mais aussi dans plein d'autres quartiers populaires, partout dans toute la France. Et en réalité, c'est des problématiques qu'on trouve dans toutes les villes de France, mais qui sont accentuées dans les quartiers populaires. On peut parler emploi durable et emploi qui paye correctement, on en parlait, logement, transport, disparition des services publics, écoles qui souffrent, hôpital aussi, les associations sportives dans les quartiers qui font un travail extraordinaire et qui ont été plantées par la fin des contrats aidés d'Emmanuel Macron, l'insécurité qui est subie par les habitants, mais aussi les violences policières qui sont commises par les policiers qui salissent l'uniforme. Et tout ça cumulé, on se dit, les choses ne font que s'aggraver d'année en année. Donc, Monsieur le Président, deux questions en une. La première, est-ce que vous pensez que la génération actuelle de nos dirigeants politiques est capable de répondre aux attentes des jeunes, aujourd'hui des quartiers populaires, qui ont des attentes différentes des jeunes d'il y a 5, 10, 15 ans? Et la deuxième question, quelle est pour vous, dans ces quartiers-là, dans ces territoires-là, la priorité aujourd'hui? Vous avez raison d'insister sur le fait que dans une génération, il y a des situations différentes. Ouais. On parle de la jeunesse en tant que telle. Non, il y a des jeunesses. Il y a une jeunesse qui va bien, peut-être qui négociera bien son entrée sur le marché du travail, compte tenu de ce que je disais. Une autre qui pourra trouver du sens dans ce qu'elle pourra accomplir. Et puis, il y a une jeunesse qui, même s'il ne faut pas rentrer dans trop de caricatures, mais qui se vit encore discriminée, reléguée, empêchée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'entrepreneuriat dans les quartiers, il y en a beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des réussites, il y en a. Ça ne veut pas dire qu'il y ait des parcours qui peuvent être d'excellents. Mais globalement, c'est le sentiment que ça se répète et ça se reproduit. Moi, je pense que la grande question, c'est le fait qu'aujourd'hui, dans les établissements scolaires, de ces quartiers-là, c'est les mêmes populations que l'on trouve. On parle de mixité sociale, c'est fini la mixité sociale dans un grand nombre de nos quartiers populaires. Et quand il n'y a pas de mixité sociale, il n'y a pas l'échange, il n'y a pas la compréhension d'un destin commun, il n'y a pas l'idée qu'on va pouvoir avoir le même avenir. On est donc dans une situation différente, ce qui fait que certains même, et ça me choque, disent les Français, tellement ils se sentent loin encore de ce que l'école, qui a toujours été le facteur majeur d'intégration et de promotion, peut produire. Donc pour moi, la première
et ça reste toujours, parce que j'étais déjà sur cette ligne-là, la première priorité, c'est l'école. Quand je dis l'école, c'est aussi jusqu'à l'université et au-delà. Si on fait une réforme des lycées professionnels, où c'est pour envoyer dans les mêmes filières mêmes jeunes, et on sait bien lesquels on va envoyer, évidemment, sans avoir la culture générale qui est indispensable pour évoluer, pour connaître des mobilités, je pense qu'on va accentuer encore le phénomène de la relégation. Par ailleurs, on a beaucoup moqué les contrats aidés. On a beaucoup dit, ça sert à quoi, les emplois jeunes, toutes ces formules. Mais ça permettait à des associations, tout simplement, de faire un travail dans le quartier. Et donc, quand on a détruit ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des rénovations de logements et des programmes en rue. Mais ce qui était essentiel dans ce qu'on devait faire, c'était la vie dans les quartiers et donc d'être capable d'aider les associations. Et moi, je pense qu'il y a plein d'associations, oui, on parlait des engagements tout à l'heure, il y a plein d'associations qui font de la politique, non pas pour aller aux élections et présenter des listes. Avec beaucoup de jeunes, notamment. Mais des jeunes, parce qu'ils veulent changer leur vie et la vie des autres dans les quartiers. Ouais. Usul, un des marqueurs de la gauche historiquement, on en a parlé tout à l'heure, c'est pour rebondir sur cette question du travail, c'est en effet de donner, alors soit les 35 heures pour Lionel Jospin quand il arrive au pouvoir, il se dit voilà, ça c'est un marqueur fort. D'ailleurs, les remontées de terrain sont assez folles, c'est les gens sont contents dans l'effet des socialistes, ça fait un vrai gouvernement socialiste. Bon voilà, Mitterrand, Blum, etc. C'est-à-dire en gros abaisser le temps de travail, donc renchérir le coût du travail. Vous avez choisi une politique plutôt de l'offre, donc qui suppose qu'on ne renchérisse pas trop le coût du travail. Est-ce que aujourd'hui le déclin de l'intérêt que peuvent avoir les gens aussi pour ces travaux mal payés, etc., n'est pas aussi dû au fait que c'est mal payé et que notre modèle repose sur le fait que c'est mal payé et que ça marche comme ça, et que pourquoi vous n'avez pas renchéri plutôt le coût du travail? J'ai pas renchéri le coût du travail parce que si je l'avais fait, les employeurs auraient encore moins. Ah ben non, mais ils sont jamais contents quand on fait ça, de toute façon. Ils sont vraiment radicaux. Oui, mais d'accord, mais on était dans une période où on était dans un chômage très élevé, où la compétitivité était très dégradée, où même si on relançait, parce que ça a toujours été ce qu'a fait la gauche, historiquement, elle a toujours relancé la consommation, la demande, et c'est bien, et puis l'offre qui correspond à cette demande, elle n'est pas adaptée, et donc on va aller jeter des produits étrangers. Donc il faut qu'il y ait des entreprises qui soient compétitives. Est-ce qu'elles sont compétitives simplement en baissant le coût du travail? Non. Il faut bien qu'elles investissent, il faut bien qu'elles aient de la technologie, il faut bien qu'elles recherchent, développent, etc. Mais je pense que pour revenir au temps de travail, oui, ce que vous avez dit. Là, c'est même au-delà, c'est même comment on fait société, comment on est ensemble, quoi. Se sentir mal payé, etc., c'est se sentir maltraité. Oui, quand on a fait les 35 heures, est-ce que les gens étaient spécialement contents? Ben oui. Ah oui, tout de même. Ah oui, mais c'était compliqué. Ils étaient à la fois contents d'avoir récupéré du temps, et ils étaient aussi bouleversés parce qu'il fallait changer complètement l'organisation de l'entreprise. Et c'était d'ailleurs ce qu'on souhaitait. C'est surtout les patrons qui n'étaient pas contents. Non, il y avait des patrons qui s'en sont servis pour modifier l'organisation de travail, l'annualisation, et augmenter la productivité. Le patronat est plus souple qu'on l'imagine. Et donc, ça saute pas toujours aux yeux, mais c'est parce qu'ils s'adaptent aussi. Ils sont sous contrainte eux aussi. Oui. Ouais. Et aujourd'hui, il y a une revendication qui revient, qui avait un peu disparu, qui est la semaine des 4 jours. Ouais. Et donc, il y en a beaucoup dans le chat qui en parlent, effectivement. C'est intéressant de voir que le temps de travail n'était plus tout à fait à l'agenda. Il ne l'est pas de la même manière. C'est pas on va passer des 35 heures aux 32 heures, puis après aux 28 heures, comme s'il y avait un mouvement général. Bon. La CGT réclame toujours les 32 heures. Mais la CGT réclame tout, c'est son rôle. Mais là, c'est plutôt, est-ce qu'on ne peut pas vivre différemment? Est-ce qu'on est forcément obligé d'aller passer toutes ces journées au travail? On l'avait vu avec le télétravail, etc. Donc, je pense que cette idée des 4 jours... alors après, est-ce qu'on compense les 35 heures sur 4 jours, du coup? C'est ça, les 35 heures sur 4 jours, ou pas. Ça va être... Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est la négociation dans l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut des syndicats forts. Parce que c'est eux qui vont porter, à un moment ou un autre, cette revendication. Donc, la CFDT. Parce que vous avez dit la CGT, bon, de toute façon, ils réclament. Non, mais la CFDT. Mais non, parce que dans beaucoup d'entreprises, c'est la CGT qui va être porteuse de ça. Et qui signe des accords, d'ailleurs. Et qui signe des accords. Contrairement à ce qu'on imagine, autant la CGT ne signe pas des accords nationaux, mais elle en signe plein au niveau des entreprises. Oui, c'est vrai. Et moi, j'ai toujours favorisé la négociation d'entreprise. Alors, l'autre sujet qui a beaucoup été à l'ordre du jour aujourd'hui, à l'occasion des 50 ans de Libé, vous vous en doutez bien, c'est l'avenir de la gauche. Est-ce que je peux me tourner vers toi, Thomas, et te demander.
Vous êtes revendiqué de la social-démocratie lorsque vous avez présidé la République. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le hollandisme politique? Tu arriverais, ça, Thomas? Le hollandisme politique. Ah, bah, c'est une tentative de social-démocratie. Le problème de la social-démocratie en France, c'est que la social-démocratie, c'est un contrat. C'est une façon de gouverner avec les syndicats. Ouais. Et c'est un contrat entre les travailleurs, le patronat et l'État. Et François Hollande fait partie de cette gauche qui préfère le compromis à l'affrontement et qui préfère le contrat au combat. Le problème qu'a eu François Hollande, mais qu'ont eu tous ceux qui prenaient la social-démocratie en France, c'est que c'était une social-démocratie sans bras, puisqu'il n'y a que 8% de syndiqués et que les syndicats n'ont pas beaucoup de pouvoir. Et c'est... alors, il va sûrement nous dire... Il dit oui, d'accord, très bien. Et donc, voilà, la social-démocratie... Non, c'est vrai. La social-démocratie, on l'a souvent assimilée à un centre-gauche. Ouais. Parce que c'était plutôt des modérés. Parce que quand on cherche le compromis, on est considéré comme étant modéré. Alors que quand on prône l'affrontement, on a l'impression d'être radical. C'est une impression. Moi, je trouve ça très dommage, parce que le compromis est souvent plus compliqué à trouver, plus long à fabriquer, mais plus solide et plus porteur de progrès à long terme. Donc on peut faire de la radicalité avec du compromis. C'est pour ça qu'il faut découpler la radicalité de l'extrémisme. Et mais la question, elle doit être posée plutôt à François Hollande. Tu me poses une question. Mais ça, c'est pour les gens qui nous écoutent. Je voulais que Thomas Legrand. Voilà. Je voulais François juste rebondir sur les syndicats. Il est vrai que là, on a quand même remarqué que depuis le mois de janvier, il y a un regain très, très fort dans la confiance des syndicats. La CGT a de nombreux nouveaux adhérents et nouvelles adhérentes. Et puis, me donne envie de vous poser la question. Vous auriez fait quoi à la place d'Emmanuel Macron? Pardon. Ah, c'est une bonne question. Ah ouais. Mais peut-être voulez-vous répondre à la question de Thomas que j'ai complètement jumpé, je suis désolée. C'était la bonne question. J'aurais fait ni cette réforme, ni ce rapport avec les syndicats. C'est-à-dire que c'était contraire au principe de la social-démocratie. Non pas qu'il ne faille pas faire de réforme des retraites, dire « Ah non, ça c'est un sujet tabou, on ne doit jamais y toucher parce qu'on va vivre comme ça. » Vous avez vous-même réformé les retraites. Non, moi j'ai même, sous ma présidence, fait une réforme des retraites. Mais il faut qu'elle soit juste, il ne faut pas que ça passe par l'âge reporté et il faut que ce soit compensé par des efforts, notamment des entreprises et des hauts patrimoines. C'était ça, une idée possible pour la réforme des retraites. Tout en disant, si on vit plus longtemps, on va être obligé de cotiser plus longtemps, ça c'est sûr, ou de cotiser davantage. Taxer les riches. Mais peut-être pas tous, peut-être pas de la même manière, et peut-être pas aussi vite. Si, ouais. Pour les retraites, il faut cotiser sans doute davantage, employeurs comme salariés. C'est le fondement même du système de répartition. Donc voilà, je n'aurais pas fait cette réforme, puisque j'en ai fait moi-même une différente, et j'aurais été dans une négociation de toute façon avec les syndicats. Même si on n'est pas d'accord, la CFDT notamment, mais la CGT était dans la même disposition, a une ligne rouge, et au-delà de la ligne rouge, tout est négociable. Il y avait sans doute des choses qui ont été négociées. Donc c'est ça la social-démocratie, c'est la négociation, c'est le compromis. Non, je reviens à la social-démocratie, ce n'est pas simplement une méthode, même si ce qu'a dit Thomas Legrand est tout à fait juste. Ce n'est pas simplement la méthode du compromis, c'est un objectif de société. Longtemps, c'est pour ça qu'elle apparaît aujourd'hui un peu comme une vieille lune, donc pour ça qu'il faut conquérir d'autres espaces. Longtemps, la social-démocratie s'est identifiée à la sécurité sociale, c'était quand même un acquis important. Oui, bien sûr. S'est identifiée à la redistribution fiscale, c'était aussi un moyen important, et s'est identifiée à un rapport de force dans l'entreprise. Aujourd'hui, elle a, la social-démocratie, un enjeu beaucoup plus lourd, qui est de réussir par ses moyens, par sa méthode, la mutation climatique. C'est ça le grand enjeu. C'est qui va être le mieux placé politiquement pour réussir le grand mouvement qui est de toute façon inévitable. Et peut-on le faire dans la négociation? C'est donc pas évident. Comment on fait? Eh bien, la social-démocratie, là, elle retrouve un peu de sa jeunesse. C'est-à-dire qu'il faut faire le compromis entre capital et travail pour savoir comment ça va se passer. Il faut faire le compromis entre les générations pour savoir qui va faire l'effort
le plus important, les plus âgés ou les plus jeunes, et il va falloir faire un compromis aussi citoyen qui doit être associé à ces décisions ou pas. Et deuxièmement, la social-démocratie aujourd'hui, elle a plus d'atouts parce que la planification redevient un instrument tout à fait essentiel en matière énergétique, en matière écologique. On ne peut plus faire confiance au marché, ou pas seulement au marché. Donc, le rôle de l'État est immédiatement réinvesti. Donc, on a à la fois, par la social-démocratie, un rôle de l'État qui doit être essentiel, ce que j'appelle l'État, non plus providence, comme c'était le cas pour la première étape de la social-démocratie, mais l'État garant. Je dois garantir qu'on va bien atteindre les objectifs climatiques, et je dois bien garantir qu'on va le faire dans la justice. Et c'est ça l'État garant. Et donc je le fais à travers la planification, je le fais à travers un système de redistribution de pouvoir et de richesse, et je le fais à travers le compromis. Et donc je crois à l'avenir de la social-démocratie. Pourquoi ? Parce que si c'est le marché, on voit bien que le marché ne peut pas résoudre, même par les prix, la question climatique. Si c'est le tout État, on voit bien que ça se passera nécessairement dans les entreprises ou dans la société. Donc l'État ne peut pas, de ce point de vue, avoir la réponse unique. Et donc je pense que c'est justement le système social-démocrate qui est le mieux placé. Vous croyez à la social-démocratie ? Peut-être qu'il y a aussi un besoin d'incarnation. Alexandra, tu voulais en parler ? Oui, c'est vrai que Bernard Cazeneuve, qui a été votre Premier ministre pendant 5 mois, je crois, à la fin de votre mandat, est en train de se prépositionner pour peut-être 2027. Est-ce que, alors il a beaucoup de qualités, Bernard Cazeneuve, c'est vrai, mais est-ce que vous pensez que c'est celui qui peut pousser les jeunes dans les bureaux de vote? Ça a l'air de les faire doucement rigoler, en tout cas ceux qui sont là. J'imagine qu'ils nous écoutent. Et on l'embrasse. Il est branché là, vous imaginez. Et il attend fébrilement. Bah d'ailleurs, on l'a en duplex. Il attend fébrilement ce que je vais dire. Il est sur Twitch. Non, mais oui, alors. Mais c'est extraordinaire. On dit qu'il faut changer les institutions, il faut essayer d'avoir une conception élevée de la politique. Et on est qui va être candidat d'un mouvement qui n'existe pas, d'une social-démocratie qui n'est pas reconstituée et d'une gauche qui est éparpillée et soumise à une forme de radicalité. Quelle est la solution ? La solution, elle n'est pas aujourd'hui personnelle, on est à 4 ans de l'élection présidentielle. La solution, c'est, si on veut être dans une démocratie, il faut qu'il y ait des forces qui animent la démocratie. Il faut qu'il y ait des partis. Il faut qu'il y ait des organisations qui concourent à l'expression du suffrage, qui donnent envie d'adhérer, de délibérer, de choisir les candidats, de choisir les programmes, d'aller en contact avec tous les mouvements qui, aujourd'hui, n'ont pas forcément envie de s'engager, mais qui ont envie de transmettre leur espérance ou leur radicalité. S'il n'y a plus d'organisation politique, c'est le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de parti majoritaire, ça n'existe pas, Renaissance. C'est même pas né, donc ça ne pouvait pas renaître. LFI, il n'y a pas d'adhérent, il n'y en a qu'un. Il n'a pas pu venir ce soir, tant pis pour lui. Il y a les Verts, c'est 10 000 adhérents, le PS, c'est 20 000. Et il a raison, Laurent Berger, quand il dit toutes les organisations syndicales, ou même la seule organisation de la CFDT, fait plus que tous les adhérents des partis politiques. Quel est le seul parti qui aujourd'hui est constitué, qui est représenté sur le terrain, qui agit et qui ne se pose pas la question de savoir qui va être l'incarnation? C'est le Rassemblement National. Alors on va dire, il n'y a plus de parti, c'est formidable. Je vois que la gauche dit qu'il faut réfléchir à une candidature unique de la gauche. Pourquoi pas? Comment on va le désigner? On ne va pas quand même faire voter les gens. Vous vous rendez compte? On est pour la 6e République, on n'est pas pour faire voter les citoyens. Il ne faut pas exagérer. On fera une coopérative, on fera un conseil des sages. Formidable, le conseil des sages pour une grande organisation qui se veut en rupture. Donc, il non, faut tout le monde ne dit pas ça. Hein. Jérôme Gage a un plan assez... Gage, lui, dit, il faut les primaires. Il a un plan. Il veut d'abord faire un programme commun. Ah, il a raison. Comme au bon vieux temps. Bien sûr, il a raison. Et ensuite, une primaire, mais du casting de la personne qui irait porter ce programme. Donc, une primaire qui ne porte pas de ligne politique. C'est au moins une logique. Mais bah oui, mais... La condition préalable, c'est qu'on recrée des organisations politiques. Pas des nébuleuses, pas des arrangements et des combinaisons, des organisations politiques. Vous êtes de droite, vous devez avoir un parti de droite. Il n'est pas là. Vous êtes au centre, vous devez avoir un parti du centre. Vous en avez plusieurs qui n'existent pas. Et donc, si on veut la social-démocratie, ben, il faut créer, avec le Parti Socialiste, avec tous ceux qui le voudront, avec des forces qui peuvent s'y adjoindre, il faut créer d'abord l'organisation. Mais avec il faut qui dedans programme.
quitte avec à faire qui après un programme commun. Avec il faut d'abord élus, faire un programme. Avec des élus, avec des adhérents, avec, avec des insoumis. On a du mal à voir le grand mouvement populaire en faveur de la social-démocratie, je vous avoue. Mais c'est pas... Même le Front National n'a pas d'adhérents. C'est-à-dire qu'il y a plus de... Il y a plus de partis de masse comme le Parti Socialiste a pu l'être. Le Parti Socialiste n'a jamais été un grand parti de masse. Non, mais il y a eu 150 000 adhérents à un moment. Si on n'a pas cette logique-là, si on n'est pas dans cette conception de la démocratie, alors on est uniquement dans les questions de personnalisation. Et on est toujours dans l'idée qu'il va y surgir quelqu'un qui va trouver la solution. Mais non! Il ne faut pas penser qu'il y aura quelqu'un qui viendra surgir pour trouver la solution. C'est comme ça que Macron a fait. C'est aussi le problème. Comme il y a eu le précédent Macron. C'est le problème de notre République. C'est le problème de la Ve République. C'est pas le problème de la Ve République. Tous les présidents de la République, hormis Macron, tous les présidents de la République ont été à un moment ou un autre chef d'un parti. Et ils se sont toujours portés au contact des citoyens au nom d'un parti politique. Ils ont toujours été désignés par leur parti politique, par une primaire ou pas. Mais il y a toujours eu ce mouvement-là. Depuis 2017, ça a volé en éclats. Donc tout le monde se dit, ce que Macron a fait, je peux le refaire. Il suffit de me déclarer candidat, je fais un micro-parti, je fais un appel et on va se retrouver dans je ne sais quelle formule. Non, il faut recréer les conditions des partis politiques. Il n'y a qu'en France qu'on a ce problème-là. Regardez, partout ailleurs, ça ne va pas bien la démocratie. Ben non. Partout ailleurs, il y a une vague populiste qui submerge de droite ou d'extrême droite, en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Mais ailleurs, il y a quand même des partis politiques. Au Royaume-Uni, ils ont eu le Brexit, ils ont quand même deux partis politiques qui se font une alternative l'un par rapport à l'autre. En Allemagne, en Italie, il y a des partis politiques. Il n'y a qu'en France où il n'y a plus de partis politiques. Sauf qu'il y a une extrême droite qui a un niveau élevé. Elle n'est pas un niveau très élevé par rapport à d'autres pays. Mais la faute à qui, du coup? Pourquoi il n'y a plus de partis politiques, d'après vous? Mais parce que les partis politiques eux-mêmes ont déposé leur propre bilan. Quand vous déposez votre bilan, vous dites, vous savez, je ne veux plus être un parti, généralement, les gens n'adhèrent pas. C'est assez rare, quand même. Ils viennent vous voir. Et il y a des gens qui quelquefois, me disent, qu'est-ce que je peux faire pour faire de la politique? À quelle porte je peux frapper? Je dis, vous pouvez frapper à aucune porte, puisqu'il n'y a plus de maison. Mais c'est ça, le problème. Il faut reconstruire des maisons. On a retrouvé la photo, Malek. On a une archive, le placard à archives qui montre une photo de toi en 2012 avec un candidat que tu as soutenu. Surprise. Voilà, ça va arriver. Voilà. Oula. Regarde comment il est beau. Oula, j'étais bien jeune. C'était au Bourget. Extraordinaire. C'était au Bourget. Mon ennemi, c'est la finance. C'était toi. J'ai chanté la Marseillaise juste derrière François Hollande et gros souvenir. Non, déjà merci d'avoir, parce que c'est un bruit de couloir que j'ai entendu tout à l'heure, le fait que Jean-Luc Mélenchon ait refusé de venir avec nous ce soir pour débattre avec vous. Vous l'avez un petit peu confirmé et je trouve ça dommage. Jean-Luc, on aurait été très content de t'accueillir et j'aurais été ravi de te laisser ma place. Juste, on doit reconstruire donc des familles. François Ruffin se dit social-démocrate. Est-ce qu'on accepte François, pas Hollande, mais François Ruffin à la table de la discussion pour reconstruire une famille? Avec Bernard Cazeneuve, avec François Hollande. Est-ce qu'on accepte Bernard Cazeneuve? Bien sûr. S'il faut faire 51%, c'est du monde. Hein. Je vais répondre à Malek. On accepte tous ceux qui veulent venir. Si on commence à écarter, à exclure... Mais comment voulez-vous être 50% et un peu plus? Mais donc, si on commence à se refermer. Donc la NUPES, c'est bien pour vous. Donc la NUPES, c'est bien pour vous. Il faut que les gens de la NUPES soient dans le mouvement, bien sûr. Je ne vais pas commencer à dire... On a commencé le débat sur les gauches irréconciliables. Si je dis que les gauches sont irréconciliables, c'est fini. On arrête. Donc vous êtes favorable à, je ne sais pas, une liste commune de la NUPES, non, par exemple? Non, je ne suis pas favorable à des listes communes. Je suis favorable à ce qu'il y ait des compétitions entre les familles de la gauche pour le rassemblement ensuite. Ça a toujours fonctionné comme ça. Au second tour. Alors. D'abord, on se fout sur la gueule et ensuite on redevient amis. Vous pensez que François Mitterrand a été élu au premier tour avec une candidature commune de la gauche? Non. Non, mais il a été élu sur un programme commun. Vous êtes d'accord, avec Jean-Luc Mélenchon? La situation n'est pas la même. Le programme commun avait été déchiré, la gauche était divisée, il a gagné. Et l'extrême droite n'était pas au même niveau qu'aujourd'hui aussi. Il y a peut-être ça qui rend la chose urgente, c'est palpable chez tous les dirigeants de gauche aujourd'hui. Moi-même, j'ai été élu en 2012, il y avait une extrême droite qui était déjà forte, j'ai été candidat, il y avait Mélenchon qui était candidat, il y avait même Eva Joly qui était candidat, et ça n'a pas empêché la victoire. Au contraire, ça l'a permise, la victoire, parce que ça permet au deuxième tour d'avoir la dynamique nécessaire. Le Front Populaire, vous pensez qu'il n'y avait qu'une seule liste au Front Populaire? Mais non, il y avait la SFIO, il y avait le Parti communiste, il y avait les radicaux, et c'est ce qui a permis la victoire. Donc il y a toujours eu la nécessité de partir différemment, parce qu'on ne pense pas forcément tous la même chose. On peut avoir un programme commun à la fin, c'est souhaitable.
Mais il faut d'abord reconstituer des familles et aller drainer le maximum d'électeurs pour avoir une majorité à la fin. Et le problème du Rassemblement national, je ne sais pas si elle sera au second tour. Et finalement, son score de premier tour, quand on regarde historiquement sur ces dernières années, son score de premier tour n'a pas été particulièrement en hausse. Elle a fait 18% en nombre de voix. Elle a fait 18% en 2012. Elle a fait un peu plus de 20% en 2017 et 21 ou 22 en 2022. Vous pensez qu'elle a atteint un plafond de verre ? Non, ce que je pense, c'est qu'au premier tour, elle n'est pas forcément dans une situation extrêmement favorable. En revanche, au second tour, elle ne crée plus la répulsion et donc la mobilisation contre elle. Et donc, penser qu'on va arriver au second tour, même avec une candidature unique de la gauche, on va être face à Le Pen et qu'on va gagner, non ! On va gagner que si on est capable de convaincre que c'est pas simplement un risque de prendre Le Pen, c'est une chance de prendre la gauche, c'est une espérance. On ne pourra pas gagner sur simplement la peur. Il faut gagner sur l'idée que ça peut être une nouvelle étape dans la construction du pays. Thomas ? Là, tu me surprends. Mais non, je crois que tu avais une question à poser. Non, j'ai toujours une question à poser, mais là j'ai fait. On va trouver. Non, je suis étonné que vous réclamiez finalement le retour à ce qui a disparu sans qu'on ait eu l'explication exacte de pourquoi ça a disparu. Parce que comment ça reviendrait si on ne sait pas exactement pourquoi ça a disparu ? Parce que les partis politiques, ils s'en créent. Oui. Vous dites qu'il faut créer des partis, mais ils s'en créent. Renaissance, c'est un parti qui a été créé, personne n'y va, mais il a été créé. Le Parti Socialiste, il existe toujours, il a des structures, il a des locaux, personne n'y va, mais il existe. Pourquoi personne n'y va ? Attends, il y a une renaissance du Parti Socialiste quand même un peu en ce moment. Depuis la NUPES ? Ah oui ? Ils ont un peu une petite hype là. Ouais. Non, mais c'est-à-dire petite. Légère. Oui. François Hollande. Vous pouvez avoir une boutique, si vous mettez rien devant la boutique, pourquoi les gens rentreraient ? Oui, il n'y a plus d'idées, c'est ça. C'est le travail, ça s'appelle le travail, c'est-à-dire qu'il faut bâtir des programmes, il faut aller chercher des idées nouvelles, il faut rencontrer les associations, les syndicats, les gens qui bougent, les radicaux, tout ce qu'on veut. Mais pourquoi ce travail ne se fait plus ? Parce que ce travail n'est pas fait, parce que regardez ce qui se passe, qui produit une idée là aujourd'hui ? Prenons le cas d'aujourd'hui. Ils ont passé la journée à le faire. Non, je ne parle pas de ce qui s'est passé ici, regardez ce qui s'est passé à l'Assemblée. Ah oui, non, oui. C'est quoi l'image de la politique ? Non, c'était pas le bonjour, là, ouais. Oui. Sans doute, oui. Mais est-ce que c'est jamais le bonjour. C'est jamais le bonjour où on va mettre des idées qui vont convaincre une partie du pays de se dire, là, il y a peut-être quand même une solution, il y a peut-être une espérance, il y a peut-être une attente qui correspond à ce que moi je pense. C'est-à-dire que vous auriez aimé, par exemple, sur la réforme des retraites, que la gauche soit capable non seulement de s'opposer, mais que la NUPES, qui n'a pas été capable de faire ça, soit capable de proposer une alternative crédible. Mais ils l'ont proposé. On ne sait pas si le c'est 60, 62 ans. Ah non, oui, ça, je suis d'accord avec toi. Ils n'ont pas réglé le problème. Ouais. Ça, c'est des méthodes pour. Oui, d'accord. Okay. Ils ont tout ce qu'il faut pour supprimer la loi, mais il n'y a pas de. D'ailleurs, dans toutes les démocraties parlementaires, on ne peut renverser un gouvernement que quand on a une. En Allemagne, c'est le cas, que quand on a une alternative de oui. Il ne suffit pas de savoir dire non, il faut savoir dire oui. C'est ce que tu veux dire. Peut-être qu'on n'arrive plus à créer, la gauche n'arrive plus à créer. Ce mécanisme qui dit oui. Alors, qui dit oui avec plusieurs projets, puisqu'il ne s'agit, oui. s'agit pas de faire un grand rassemblement, comme vous l'avez dit, mais au moins des. Sur la réforme des retraites, l'opposition pouvait être commune entre tous les partis de gauche. Mais chaque parti devait avancer sa propre réforme, être capable de dire voilà ce que je ferais si j'étais aux responsabilités du pays. Ce n'est pas tout à fait ce que pensent les autres. Et alors, c'est la différenciation. Sinon, il faut faire un parti unique. Mais ce n'est pas le cas même de la NUPES. Donc, à partir de là, puisque chaque parti doit afficher ce qu'il pense sur chaque sujet, les retraites, l'Europe, la question du climat, comment on fait ? Donc, c'est le rôle de chaque parti. Mais si, maintenant, plus personne ne veut l'exercer, si on attend l'élection présidentielle en se disant il y aura bien quelqu'un qui surgira, qui nous sauvera, mais non, il n'y aura personne. Donc, il faut absolument faire ce travail. Il n'y a pas de politique sans travail, il n'y a pas de politique sans démarche, il n'y a pas de politique sans mouvement, il n'y a pas de politique sans idée, ça n'existe pas. Ou alors on est dans un consumérisme le plus absolu et on espère qu'il y aura un individu qui viendra nous donner un peu d'espérance le moment venu. Non, ça ne se passera pas. Donc il faut travailler. Donc si vous avez peut-être du temps à perdre, venez. Alors je ne sais pas où vous pouvez aller parce que pour l'instant, il va falloir vous proposer
une organisation, parce qu'il faut une organisation. Il n'y a pas de politique sans organisation. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de choses à lire dans les pages idées de Libération. Voilà, lisez dans Libé, les abonnez-vous. Prochains mois. Mais oui, abonnez-vous. D'ailleurs, profitez de l'abonnement spécial Backseat qui ne dispo que jusqu'à demain, jeudi midi. Après, il n'y en aura plus. 10 balles seulement pour 6 mois d'abonnement à Libération. Franchement, profitez-en. Il va se passer plein de trucs dans les 6 prochains mois. Ce serait con de passer à côté de ça. Merci François Hollande d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Merci, je vous rappelle que Backseat n'est rendu possible que par vous, que par vos dons. J'en suis navré, mais c'est comme ça, les jeunes doivent financer eux-mêmes leurs propres émissions politiques, alors que les vieux, ils ont la téloche. Tant mieux pour eux, tant pis pour nous. On a besoin de votre pognon, les amis. N'hésitez pas à faire des dons sur KissKissBankBank. On va y arriver à financer cette saison. J'y crois à mort. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas. J'en profite pour remercier les équipes de Libération avec qui on a monté cette très belle émission. Merci beaucoup, Johan et Maud. Merci beaucoup à co-producteurs et journalistes François, Quentin, Laurent. Merci beaucoup à Gozu qui s'occupe de la Réal avec l'ensemble du matos. C'est eux qui ont fait tout ça en une seule journée. Merci à Cardel et son équipe. Merci à la Sorbonne qui nous accueille ici. Et merci beaucoup à toi, le public. C'est la fin de cette émission. Bah, tout le monde.